Première chose, est-ce que la psychiatrie est une discipline médicale? Normalement, oui. On est d'accord. Normalement, oui, sauf que jusqu'à il y a un an, ça ne faisait pas partie des disciplines médicales. En médecine, vous aviez la chirurgie, les disciplines médicales, et puis à côté, la psychiatrie. Depuis un an, ça a changé, la psychiatrie est revenue dans les disciplines médicales. Ce n'est pas tout à fait anodin de dire ça, parce que ça pose un certain nombre de questions. La première d'entre elles, c'est comment on s'occupe des gens qui souffrent de maladies mentales. C'est-à-dire que si on est en médecine, on s'en occupe d'une certaine façon. Et jusqu'à présent, en psychiatrie, comme on ne savait pas très bien si on était en médecine, on s'occupait d'une autre façon. Je vais te donner un exemple. Il y a un débat très ancien dans la psychiatrie depuis qu'elle existe. Est-ce que quelqu'un sait depuis quand existe la psychiatrie dans cette salle? Pardon. Oh là là, Freud n'a absolument pas inventé la psychiatrie. Non. Ah, vous allez voir, vous allez voir. 1837. Non, pas 1847. Alors, je vais vous expliquer. La psychiatrie, c'est la première discipline médicale qui a existé. Elle a été créée en 1804, entre 1804 et 1808. Par exemple, la neurologie, ça existait en 1870, pour vous donner un ordre d'idée. Donc, c'est la première discipline médicale qui a existé, et au départ, c'était une discipline médicale, qui avait comme objectif, très simple, c'était de soigner les gens dans leur globalité, à la fois le corps et l'esprit. Et en gros, pour être psychiatre, il fallait être un très bon médecin, avoir des connaissances de psychologie, ça n'existait pas, mais avoir une connaissance, et c'était une des spécialités les plus élevées. Bon. Le problème, c'est que à la même époque où on est en 1804-1808, la psychiatrie est confrontée à un autre problème qui n'a toujours jamais été résolu, c'est la question de l'internement. Et donc la psychiatrie s'est toujours retrouvée entre deux problèmes, qui est un problème de la régulation sociale, celui de l'enfermement, soi-disant, des gens qui sont des fous dangereux, et d'un autre côté, la question de est-ce qu'on est une discipline médicale ou pas. Et donc ça, c'est depuis le début, c'est une ambiguïté très importante. Très, très importante. Donc vous voyez, c'est une très vieille discipline, dont au départ, on sait ce que c'est, mais dans la réalité, il y a eu un certain nombre de choses qui ont fait que ça n'a pas été une discipline médicale à part entière, et même jusqu'à aujourd'hui, les gens se posent des questions à tel point que quand on est quelqu'un qui est soi-disant malade psy, on ne peut pas être examiné par son psychiatre, physiquement j'entends, parce que soi-disant il ne sait pas le faire. Alors qu'on sait que ce qui fait la part la plus importante dans l'évolution des troubles psy, c'est prendre en charge au moins autant le corps dans son ensemble que l'esprit. On voit bien que cette conception qui fait que la psychiatrie est un peu entre deux, eh ben, elle nuit sur l'évolution et sur la santé des gens qui souffrent de troubles psy. Donc ça, c'est un élément qui n'est pas égal à zéro. Si les psychiatres sont des médecins, ils sont tout à fait capables de prescrire des examens médicaux, d'examiner des trucs, et la question de est-ce qu'il faut aller voir le généraliste, est-ce qu'il faut aller voir le truc, tout ça, cette question n'existe pas. Et vous voyez bien le niveau des débats qui existent à l'heure actuelle. En psychiatrie, les patients psychiatriques ont plein de problèmes de santé, qu'ils soient psychiatriques ou physiques, et les problèmes de santé physiques sont absolument pas pris en compte, ou très mal, du fait de la difficulté de la psychiatrie de se positionner. Voilà. C'est à peu près clair. Alors, qu'est-ce que je pense, moi, de mon métier? Je vais vous expliquer comment je le vois. Moi, je suis très, très... je reste à la définition initiale. Première chose, la psychiatrie est une discipline médicale. Ça veut dire qu'en tant que psychiatre, vous devez systématiquement penser qu'il y a une maladie organique derrière toute expression d'un trouble psychiatrique. Et il ne faut jamais, jamais, jamais lâcher ce truc-là. Ça, plus, voilà. Ça, c'est la première chose. Alors, c'est un peu compliqué, mais ça fait partie de notre métier. Tant que vous n'avez pas éliminé une maladie organique, et il y a très nombreuses maladies organiques qui vont se manifester sous la forme d'expression psychique, je vais essayer d'expliquer, eh bien, vous êtes tout le temps en train de ne pas faire votre travail de psychiatre. C'est le basique du travail de psychiatre, si vous êtes une discipline médicale. Il ne faut pas oublier, je vous donne un autre exemple pour comprendre ça. Quand on a décrit les grandes maladies psychiatriques, au début de l'hôpital psychiatrique, Pinel, tout ça, d'accord, qui étaient soi-disant les gens qui ont fondé l'hôpital psychiatrique, la Salpêtrière, les grands hôpitaux psychiatriques, dans les gros hôpitaux psychiatriques, plus de 60% des malades étaient des malades organiques.
Ils avaient l'épilepsie, la syphilis, un certain nombre de maladies. Et au fur et à mesure qu'on a trouvé, par exemple, la syphilis, le traitement de la syphilis, le traitement de l'épilepsie, la moitié des malades, qui étaient soi-disant des malades psy, sont sortis de l'hôpital psychiatrique. Là, on est depuis... moi, depuis que j'ai commencé la psychiatrie, depuis au moins 30 ans, on a oublié ça. On a oublié que il y a une partie des troubles psychiatriques qui sont des troubles médicaux et qu'une partie d'entre eux sont des troubles médicaux curables. L'exemple de la syphilis, c'est un très bon exemple. Tout le XVIIIe siècle, un tiers des hôpitaux psychiatriques étaient encombrés, entre guillemets, de patients syphilitiques qui se manifestaient sous des formes qu'on appelait schizophrénie, psychose, ce que vous voulez à l'époque. Bon. Et puis il y avait quand même des docteurs qui se rendaient compte qu'au milieu de ces gens qu'on appelait fous, entre guillemets, il y en avait qui n'étaient pas pareils. Pour une toute petite chose, c'est qu'ils tremblaient. Et ils tremblaient de certaines parties du corps. Ils l'ont écrit. Et puis, comme un certain nombre de psychiatres étaient aussi des médecins, plein d'années plus tard, au moins 50 ans après, on a découvert l'agent infectieux de la syphilis, qui s'appelle le tréponème pâle, et on a découvert que dans sa forme tertiaire, plein de personnes sont mortes dans l'histoire du monde, des empereurs, des rois, des philosophes de la syphilis tertiaire. On s'est rendu compte dans sa forme tertiaire que la syphilis pouvait donner des manifestations psychiatriques et qu'à la fin, c'était les seules manifestations qui existaient. Donc on a pu identifier grâce à un test que les gens qui étaient fous présentaient en fait une infection liée au tréponème. Bon, à l'époque, comme on n'avait pas de traitement, ça leur faisait une belle jambe. Mais au moins, ça mettait un coin dans l'idée que c'était pas qu'une construction dans la tête des gens et tatati tatata. Même si, effectivement, il y a des facteurs psychologiques qui sont très importants. Il a fallu attendre 20 ans pour qu'on découvre le traitement de la syphilis. On a donné ce traitement à la majorité des gens qui avaient ce problème-là. Et un traitement préventif. Donc d'une part, on a fait totalement disparaître, ce qui n'est pas le cas actuel, puisque c'est en train de revenir, mais pendant très longtemps en France, la question de la syphilis et ses manifestations tertiaires. Et on a fait diminuer les troubles psychiatriques d'un certain nombre de patients qui ont reçu un traitement, non plus psychiatrique, mais un traitement pour cette maladie. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc il ne faut jamais oublier ça dans notre métier. Actuellement, la médecine, elle fait des tas de progrès, elle découvre des tas de maladies. Il y a des maladies, des mitochondries, enfin des choses un peu complexes, mais toutes les années, ça progresse. Et je pense que toutes les années, on peut découvrir des choses. Et qu'il y a des choses qu'on peut traiter. Donc ça, c'est la première partie. Le psychiatre, c'est un médecin qui doit éliminer une maladie organique. Ça n'empêche pas que dans toute maladie organique, il y a des facteurs psychiques. Quand vous avez un cancer, quand vous avez... Voilà, l'être humain n'est pas la tête d'un côté, tout ça. Mais c'est une très, très grande difficulté, cette affaire-là. Parce que... on a longtemps pensé, et on continue à penser, que l'esprit, par exemple, serait totalement en dehors du corps. Même l'anatomie, voilà, on a décrit comme si... bon, et on voit bien qu'au cours des dernières années, toutes les histoires, l'intestin, le truc, le machin qu'on voit dans la presse, on voit bien qu'on ne peut pas raisonner comme ça. Et qu'on peut avoir des maladies qui sont dans d'autres parties du corps, on en connaît en médecine, qui vont se manifester uniquement dans le cerveau. Donc se focaliser, par exemple la recherche en psychiatrie, c'est focaliser, continue de se focaliser excessivement, uniquement sur les processus du cerveau, qu'ils soient anatomiques, physiologiques, psychologiques et sociaux, en considérant uniquement que ce qui est de l'ordre de la maladie psy ou des troubles psy, c'est les choses qui sont dans le cerveau, alors qu'on a beaucoup d'arguments qui permettent de penser que le cerveau, ce n'est pas un organe isolé, on peut avoir des troubles ailleurs du cerveau qui se manifestent uniquement dans le cerveau, et qu'actuellement, on ne peut plus du tout penser le cerveau isolé, les troubles psy isolés, et donc la vraie question, c'est comment on s'occupe de la santé des gens. Voilà. Et la psychiatrie, c'est une vraie discipline qui s'occupe de la santé des gens en général. Ce qui est un changement un peu compliqué, parce que déjà la psychiatrie, elle a du mal à savoir si c'est une discipline médicale. S'occuper de la santé quand vous ne savez pas ce que c'est une discipline médicale, c'est un pari impossible. Malgré tout, la psychiatrie, c'est une discipline médicale qui s'occupe de la santé des gens dans tous ses aspects. J'explique pourquoi on peut penser comme ça. Actuellement, quand on dit la schizophrénie, d'abord la schizophrénie, c'est faux. Il faudrait dire les schizophrénies. Non, mais ce n'est pas un détail. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses qui sont en commun, d'un point de vue de l'expression, ce qui peut s'exprimer en dehors, comme on devrait dire les dépressions. Ça s'exprime à l'extérieur de façon assez semblable, mais pour une raison simple, c'est que le cerveau, il n'est pas capable de produire une somme de choses extravagantes qui ferait que ça serait infini. Voilà, donc il produit de façon répétitive
toujours les mêmes choses, et depuis la nuit des temps, c'est en gros toujours les mêmes choses. Mais derrière, par exemple, le fait, je prends un exemple, derrière un trouble psy X ou Y, c'est exactement le même principe que quand vous allez chez le cardiologue ou chez votre médecin généraliste, que vous avez mal à la tête. C'est-à-dire, vous avez mal à la tête, mais vous avez mal à la tête pour des raisons multiples et variées, qui peuvent être aussi des soucis. Le rôle du médecin, c'est d'une part de dire, ce mal à la tête, il n'a pas de cause organique. 50% des gens qui vont consulter. Donc, en gros, ce qu'on va vous recommander, c'est de prendre soin de vous, travailler sur votre santé, vous comprenez ce que je veux dire ? Vous avez du stress dans la vie, vous avez des soucis, vous avez tout ce que vous voulez. Et à ce moment-là, les maux de tête vont disparaître. Et puis les 50% qui restent, on va essayer de trouver des causes. Et dans ces causes, il y en a qui sont traitables. Et puis malheureusement, comme tout en médecine, il y en a qui ne sont pas traitables. Quand vous arrivez à l'hôpital psychiatrique, si vous dites vous entendez des voix, voilà, schizo, traitement neuroleptique, AAH, hôpital de jour, CAT. Non, mais c'est comme ça que ça se passe. Vous voyez, c'est pas du tout, c'est ça l'antagonisme entre. Je dis pas que c'est mal, mais je pense que ça pose un problème dans l'organisation des choses. À partir du moment où vous vous situez pas très bien dans est-ce que c'est médical ou pas médical, vous appliquez un traitement de façon standardisée, générale, et qui finalement est un traitement dont le plus souvent on peut se poser la question de est-ce qu'il est efficace, est-ce qu'il est pertinent ou non. Donc nous, on doit faire ça. On doit déjà repérer ce qui est organique, repérer ce qui n'est pas organique, et puis pour tous, qu'il soit la question d'organique ou pas organique, on doit mettre en place quelque chose centré sur la santé en dehors du traitement des troubles psychiatriques. Je m'explique. Ce qui fait le pronostic de la majorité des maladies mentales, je l'ai raconté depuis 200 fois, mais je vais le redire encore une fois, c'est absolument pas... Enfin, non. C'est très peu est-ce que je suis très malade mental ou pas. Je m'explique. Si quelqu'un pouvait faire un thermomètre en disant celui-là, il est très malade psychiatrique, celui-là, il est moins malade psychiatrique, d'accord ? Eh bien, ce qui fait l'évolution, comment ça va se passer à long terme, les grands facteurs à long terme, ils sont assez peu liés à ces facteurs-là. Par contre, on sait que les facteurs autres, et je vais les expliquer, eh bien, ils sont beaucoup plus liés à l'évolution à long terme. Et dans ces facteurs autres, c'est tout ce qu'on appelle la santé. Alors la santé, ça a changé beaucoup, moi, depuis que j'ai commencé mes études. En gros, la santé, c'est première chose. Vous pouvez être en bonne santé que si vous avez la capacité de subvenir aux besoins élémentaires de l'être humain. La question, c'est qui sait ce que sont les besoins élémentaires de l'être humain ? Vous le savez peut-être ou pas, alors je vais les dire vite fait. Le premier, le plus important, c'est le besoin de sécurité. Si vous êtes en insécurité, vous menacez votre santé et vous allez avoir de graves ennuis dans votre vie. Alors c'est quoi être en sécurité ? En sécurité, c'est avoir un endroit à soi où on peut se retirer une heure sans que personne vienne vous emmerder. C'est ça la sécurité. On peut être dans une famille riche et en insécurité. Si vous n'avez aucun endroit où vous pouvez rester une demi-heure comme ça, la porte fermée sans que quelqu'un rentre pour vérifier que ce que vous êtes en train de faire et que vous n'avez pas la possibilité de vous isoler, vous menacez déjà votre santé. Enfin, voilà. Donc c'est le basique. Besoin de sécurité. Deuxièmement, respecter ce qui est de l'ordre du rythme de vie personnel. Nous avons chacun un rythme biologique particulier, qui est celui de notre sommeil, de notre alimentation, voilà, tout ce qui est la condition qui fait que nous sommes des animaux. Alors ça, ça a été complètement balayé au cours des 50 ou 100 dernières années, où on a hyper-intellectualisé le truc et on a oublié que chacun d'entre nous, on a des indicateurs de bonne santé, et qui favorise notre santé, c'est quel est mon rythme de sommeil qui me permet d'aller bien. Il est dépendant de chacun d'entre nous. Mais si je le menace, je menace ma santé. Tout le monde est comme ça. Il y a des gens qui ont besoin de dormir 8 heures, d'autres 7 heures. Donc est-ce que vous dormez bien? Est-ce que votre sommeil vous permet de réparer votre santé? Est-ce que vous faites attention à votre sommeil? Est-ce que quand vous ne dormez pas 2 jours, vous êtes capable de récupérer? Voilà, c'est un truc, c'est absolument pas... rentrer dans la tête des gens, mais c'est quand même le minimum. Je ne dis pas que tout le monde doit se coucher comme les poules à 8 heures et se lever à 10 heures. Je dis, nous avons chacun à l'intérieur de nous un rythme, donc il faut apprendre à le connaître. C'est sûr, dans le système éducatif, ce n'est pas comme ça, puisque tout le monde doit être comme à la télé. Hein. Mais donc, apprendre à connaître ce rythme, c'est très important. Troisième chose, sécurité, rythme de sommeil, rythme alimentaire. Un truc. Si vous n'êtes pas capable
de comprendre comment votre corps il vous demande et à quelle heure il vous demande de manger et comment vous mangez, vous menacez votre santé. Alors, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui menacent leur santé. Qui est capable de savoir j'ai faim, j'ai pas faim, j'ai assez mangé, j'ai pas assez mangé? En général, il vaut mieux manger plusieurs fois par jour. Honnêtement, en dehors de l'hôpital psychiatrique, qui mange trois fois par jour? Qui prend du temps pour manger trois fois par jour? Voilà, l'exemple le plus typique de ce qui menace votre santé, c'est McDonald's, quoi. Parce que pour manger, c'est un moment important. À un moment, comme vous devez avoir une petite pièce dans laquelle vous pouvez vous retirer, vous devez avoir un peu de calme pour prendre du temps à savoir ce que vous mangez. Ça a l'air complètement con, ce que je raconte. Mais c'est des éléments majeurs pour la santé des gens. Et croyez-moi qu'il y a plein de gens qui ne pensent absolument pas à ça. Là encore, chacun d'entre nous, nous avons un rythme qui est un rythme biologique de sommeil, un rythme biologique de l'alimentation, et si on ne le respecte pas longtemps, eh ben on menace sa santé. Donc, vous voyez, ça fait déjà trois petites choses sur lesquelles on devrait, à chaque fois, si on travaille sur la santé en psychiatrie, on devrait systématiquement se préoccuper de ce genre de choses. Est-ce que vous avez un environnement dans lequel vous pouvez être en sécurité, oui ou non? C'est pas facile à faire, contrairement à ce qu'on croit, d'avoir une pièce dans laquelle on peut dire, écoutez, pendant une heure, je m'enferme tout seul, tranquille, une heure, une demi-heure, chacun d'entre nous, on a besoin de ça, mais là, j'ai besoin de prendre du calme et juste que personne m'emmerde. Deuxièmement, j'ai besoin de pouvoir connaître mon rythme, et bien, hein, troisièmement, quand on dit ça, on dit, ouais, c'est compliqué, tatati, tatata. Ça, il faut qu'on en discute, moi, je crois pas, mais... Quatrième élément, c'est avoir une activité physique quotidienne. Ça ne veut pas dire faire du sport. C'est le coup des 10 000 pas. Je suis grand fanatique. Tant que vous ne marchez pas 10 000 pas par jour, eh ben, vous n'entraînez pas votre corps à faire un certain nombre de mouvements qui sont absolument importants. L'être humain, il n'est pas fait pour rester le cul sur une chaise toute la journée. Mais il n'est pas fait non plus pour faire du sport. Ce qui compte, c'est de marcher tous les jours. 10 000 pas. 10 000 pas, ça fait pas mal. Ça veut dire, par exemple, éviter de prendre l'ascenseur. Oui, oui. Après, chacun gère la question des 10 000 pas. Il y a des gens, par exemple, qui gèrent les 10 000 pas en disant « Je vais marcher une heure tous les jours, je chronomètre, je marche. » Il y a des gens qui n'ont pas la possibilité de le faire. Donc, par exemple, ils ne prennent plus jamais l'ascenseur et moins. Ils vont faire leurs courses à pied, on arrive à trouver plein... Et c'est là où on ne peut pas faire un programme militaire en disant tout le monde va faire du sport, tout le monde. Ce qu'il faut, c'est arriver à mettre 10 000 pas dans sa vie, tous les jours. Voilà, ça fait déjà quatre choses. Alors, elles peuvent sembler complètement bêtes, ces quatre choses-là, mais je peux vous promettre que c'est des éléments qui sont capitaux pour préserver la santé des gens, en général, dans la population générale. Et les gens qui sont étiquetés « je souffre de troubles psy », eh ben, eux, ils sont encore plus normaux que les autres, c'est-à-dire qu'ils ont encore plus besoin de ça. Quatrième élément. Oui. Donc vous posez deux questions. Non, à l'hôpital psychiatrique, ça ne s'adapte pas. Mais là, vous nous soignez à l'hôpital psychiatrique, l'heure de sommeil est imposée, l'heure de lever est imposée, la bouffe elle est imposée, l'endroit à soir, on n'a pas. Ah, mais honnêtement, je pense qu'à l'hôpital psychiatrique, nous sommes en insécurité permanente, voilà. Puisque nous n'avons même pas le minimum qui est de pouvoir rester un quart d'heure dans sa chambre sans que personne vienne frapper ou ouvrir. J'entends les autres patients, le truc, le machin. Ça, je suis d'accord. Après, c'est la question du combien de temps, au bout de combien de temps ça menace la santé. Les exemples que je viens de donner, sécurité, alimentation, sommeil, c'est si on fait ça pendant plusieurs années. Mais vous avez raison. Et ça devrait être inclus dans la réflexion de quand je vais à l'hôpital, est-ce qu'on m'aide à trouver de bonnes habitudes ou est-ce qu'on ne m'aide pas? Le problème, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, la psychiatrie est un peu dans une position compliquée vis-à-vis de... Est-ce que c'est une discipline médicale ?
Oui, non, donc elle ne peut pas réfléchir à ça. Et même si elle admettait qu'elle est une discipline médicale, dans la médecine, c'est compliqué de dire est-ce que on préfère en France, dans la médecine, soigner des cancers métastasiques et éviter que les gens soient malades. Donc vous voyez, il y a deux niveaux de problème. Il y a la psychiatrie a du mal avec la médecine et la médecine a du mal à faire de la prévention. Après, je reprends votre première partie de la question. Si vous, votre rythme personnel, c'est de dormir 2 heures par nuit, tant mieux. Respectons-le. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai pas de souci avec ça. Oui, non, mais après, ça, c'est l'organisation. Là où c'est important, c'est qu'effectivement, je pense que quand on a étiquette psy, d'ailleurs, les soignants et les patients, ils sont à égalité. Hein. C'est-à-dire, si on regarde l'espérance de vie des soignants en psychiatrie, elle est la même que celle qui sont les malades, parce que les soignants en psychiatrie n'entretiennent pas plus leur santé. Vous savez, quand vous vivez et que vous êtes soignant toute la journée en psychiatrie, dans un hôpital, ben, votre santé, elle se dégrade encore plus vite que celle des patients, parce qu'eux, ils y restent toute leur vie, les soignants. Ah, mais c'est quand même ça qu'il faut penser. Quand même un endroit dans lequel la santé des soignants se dégrade à vitesse absolument hallucinante. Hallucinante. Bon. Mais il est clair que quand on est psy, il faut faire un bilan de santé général, une fois par an, une fois tous les 2 ans. Pourquoi? Parce qu'on peut anticiper les conséquences de ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est pas inéluctable que ça se passe pas bien et qu'on ait une santé. Voilà. C'est pas inéluctable. Après, la question des besoins individualisés, effectivement. En général, à l'hôpital, les besoins individuels, c'est impossible. En médecine, ils ont réglé le problème. Ils gardent les gens très peu de temps, juste pour 2-3 actes techniques, et ensuite, ils les revoient dans leur vie parce qu'on sait pourquoi ils font ça. Alors, bien sûr qu'il y a une partie d'économie et d'argent, mais on sait aussi que plus vous restez dans un hôpital longtemps, plus vous êtes malade de l'hôpital. Ça a été décrit depuis la nuit des temps. L'hôpital en lui-même, quand vous y restez longtemps, va vous donner d'autres maladies du fait même que vous restiez à l'hôpital. Voilà. En psychiatrie, toute la journée, on n'entend pas ça. Il faut plus de lits, il faut que les mecs soient plus internés, il faudrait que les types y soient à vie. Donc, vous voyez, encore beaucoup de travail à faire. Mais on devrait encore aller plus qu'au bout de la logique, c'est-à-dire qu'on devrait, si on veut travailler correctement en psychiatrie, faire comme en médecine, des hospitalisations les plus courtes possibles et mettre du travail à côté. C'est encore un autre problème. Bon, je termine parce que. Mais non, non, c'est important. Donc, déjà, les 4 premières choses qui vous permettent d'être en bonne santé, qui devraient être le minimum basique de tout un service de psychiatrie qui travaille. Après, il y en a deux qui sont incroyables. Quand vous fumez, vous buvez, ben vous mourrez. Et 100% des mecs qui passent en psychiatrie, ils ont contact avec le tabac. Soit de fa... non, non, je vais vous donner la parole. Soit de façon directe, c'est-à-dire vous rentrez en psychiatrie, vous fumez pas, vous sortez, vous fumez 4 fois plus. Soit de façon indirecte, parce que les dangers du tabac, ils sont aussi importants pour ceux qui fument que ceux qui sont à côté. C'est exactement pareil si vous croisez quelqu'un qui a fumé. Et les dangers ne sont pas liés seulement au fait de respirer la fumée, ils sont liés aussi au fait de rentrer dans un endroit dans lequel quelqu'un a fumé, même si ça sent pas. Alors ça, tout le monde s'en fout. C'est un facteur majeur de santé. Ça ne veut pas dire. Ce qui est mauvais, c'est la cigarette. Est-ce que les patients, ça ne fait pas une soulagement des fumées? Ah, ça, on va parler du tabac. Allez-y. Oui, si tu veux pas, j'en fume 50 par jour. Donc, je me suis mis à fumer, pas parce que j'étais schizophrène, mais 50 par jour, ouais, il y a quand même un lien. Donc, question simple, réponse difficile. En tant que schizophrène, avec cette particularité-là, est-ce qu'il y a un chemin plus court ou plus efficace pour arriver à une diminution, à un arrêt? C'est une question très importante. Je vais y répondre en même temps de deux façons. Donc je termine sur le tabac, mais n'oublions pas l'alcool, hein, parce que l'alcool, c'est un réel problème. Vous savez que si vous êtes une femme enceinte, que vous buvez une fois pendant la grossesse, une fois, un verre, vous risquez de transmettre à votre enfant des maladies neurologiques et développementales définitives. Une fois. C'est un sujet méga tabou, ça. Donc l'alcool,
honnêtement, c'est pas bon pour la santé. Mais vraiment pas. Et il y a je disais tout à l'heure, les hôpitaux psychiatriques ont été remplis pendant longtemps de maladies organiques. Il y a une vraie question. Il y a plein de troubles du développement qui peuvent être liés à des alcoolisations pendant la grossesse, qui peuvent être liés au fait d'avoir bu un ou deux verres. Alors, vous ne pouvez pas vous le reprocher, parce que vous ne savez pas, personne ne vous l'a jamais dit, c'est un sujet tabou dans ce pays, l'alcool c'est bon pour la santé, nous sommes les plus grands producteurs, boire tous les jours c'est mauvais pour la santé, point. Même de la bière, c'est mauvais pour la santé, point. Après, c'est toujours pareil, c'est la roulette russe. On connaît tous des mecs qui ont fumé comme des salauds, qui ont bu comme des salauds et qui ont vécu jusqu'à 200 ans. Le problème, c'est quand vous avez l'étiquette psy, l'étiquette juste ça, quand vous avez contact avec le système psy, eh ben, vous avez beaucoup de chances de ne pas vivre jusqu'à 200 ans. Et si vous rajoutez tous les facteurs que je vous ai donnés, eh ben, vous avez beaucoup de chances d'en avoir un certain nombre de problèmes. Et voilà. Alors, la cigarette et les troubles psychiatriques, c'est un élément capital. C'est comme les deux doigts de la main. D'ailleurs, on pense qu'il y a des choses en commun qui sont de l'ordre de la génétique, qui sont de l'ordre des gènes à l'intérieur des gens, qui font que trouble psy et le fait de fumer, c'est éminemment lié. Vous prenez 100 personnes qui fument dans la rue, donc ils ne sont pas à l'hôpital psychiatrique, vous les examinez d'un point de vue psychiatrique, aucun d'entre eux, ou très peu en tout cas, n'ont pas de troubles psychiatriques. Alors, je m'entends, il y en a qui ont de l'anxiété, d'autres que la dépression, d'autres de troubles bipolaires, d'autres de la schizophrénie. Mais, en tout cas, le fait de fumer régulièrement, tous les jours, quand vous interrogez les gens qui fument régulièrement tous les jours, c'est un excellent marqueur de difficultés et de troubles psy. Je l'ai expliqué tout à l'heure, les troubles psy, ça peut être des troubles qui sont fonctionnels, liés à des soucis et des maladies, ok? Mais en tout cas, c'est 100% lié avec quelque chose qui est psy. Donc déjà, ça pose une question. Et ça veut dire que quand je rencontre quelqu'un qui a un trouble psy, je ne dois pas le mettre dans un environnement où il va se trouver avec des clopes, je ne dois pas le mettre dans un environnement où ça sent la clope, je ne dois pas le mettre en contact avec des gens qui sentent la clope et qui sentent le vin, et je dois faire un travail sur la cigarette. Je vais répondre à votre question. Après, ce que vous décrivez, vous, c'est à un moment, quand on m'a donné et que je suis devenu schizophrène, je suis désolé de dire comme ça, mais avec tout ce que ça veut dire, je me suis mis à beaucoup plus fumer. Alors, il y a beaucoup d'explications à ça, en dehors du fait que vous étiez sûrement vulnérable, entre guillemets, à faire des troubles psy et à être dépendant au tabac, d'accord? Bon, les deux se sont alimentés. Après, qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose d'important dans le fait de fumer chez les gens qui sont en psy? Il y a beaucoup de raisons qui peuvent expliquer ça, en dehors de la vulnérabilité personnelle. Il y en a une qui est très importante, c'est que le fait de fumer, ça modifie les effets des médicaments. C'est une chose à laquelle on n'a jamais pensé. Quand je fume, et plus je fume, plus j'ai diminué les effets secondaires des médicaments neurologiques, par exemple. Ce sont des effets secondaires, voilà. Et qu'une partie des patients fument beaucoup, 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 parce que ça leur permet aussi de contrôler le truc. Alors moi, la première fois que j'ai fait cette conférence, on m'a dit « Ah, mais là, mais les malades, ils fument parce qu'ils s'emmerdent. » Honnêtement, s'ils s'ennuient, il vaudrait mieux faire autre chose que leur donner des clopes. Bon, donc, partant de là, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, la question du tabac, elle est très simple. Il est impossible actuellement de laisser quelqu'un qui a un problème avec la cigarette. Ce qui pose problème, c'est pas de fumer, c'est la cigarette. Ce qui est très très difficile à comprendre. Ce qui est mauvais pour la santé, c'est la cigarette. Je m'explique. Ce qui est mauvais pour la santé, c'est fumer des cigarettes, soit des cigarettes industrielles, soit des cigarettes roulées. Parce que dans le tabac industriel, il y a les opérations. Moi, j'ai tendance à dire volontaires, mais... Ouais, je pense que c'est volontaire. Parce que je pense que les vendeurs de tabac sont les plus grands criminels du monde. Ils ont été capables d'acheter plein de gouvernements, d'acheter plein de médecins, d'acheter plein de gens. C'est des brigands, c'est pire que le cartel de Medellin. Il y a dans le tabac industriel, dans le tabac vendu, dans le truc qui s'appelle le tabac, un certain nombre de choses, beaucoup de choses, qui d'une part vont nuire à votre santé, vont vous donner des cancers sous toutes les formes, et vont vous rendre très dépendant. Donc l'objectif principal, c'est de sortir de la merde des vendeurs de tabac, qui en plus ont une autre conséquence sur votre vie. Quand vous souffrez de troubles psy, bah,
il y a, malheureusement, au bout d'un moment, vous vous appauvrissez parce que vous vivez d'un système d'aide. Quand vous fumez 50 cigarettes par jour, ça vous coûte la moitié de votre allocation à du handicapé. Donc, c'est un système dans lequel vous devenez un mouton qui va donner la moitié de son argent à des voyous. Donc, on peut faire tous les projets, vous voyez. Ouais, on va travailler sur des projets de retour à la vie des gens et tout ça. Et s'ils donnent trois quarts de leur argent à des dealers légaux, hein, parce que quand c'est le cannabis, on fait toute une histoire. L'alcool et la clope, c'est des dealers légaux. Bah, on peut travailler tout ce qu'on veut, on fait rien. Mais j'ai pas terminé hein, sur cette affaire, mais je crois qu'il faut être hyper clair. L'objectif, si on veut maintenir sa santé, c'est de sortir de la clope. Ça ne veut pas dire arrêter de fumer et ça ne veut pas dire arrêter la nicotine. La cigarette électronique. Ben évidemment. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je voulais revenir au mot, c'est important, parce que je ne sais pas du tout l'occasion, j'ai fait des remarques sur les masques. Comment ça se fait que dans les centres psychiatriques, on laisse fumer alors ? Ah, mais ça, alors moi, je le dis depuis des années, je pense que ça, ça participe à quelque chose qui est. Ah non, moi je vais donner des exemples parce qu'on sait, je vais y répondre à l'inverse. On sait depuis très nombreuses, par exemple, il y a des pays dans lesquels quand les gens ont des problèmes avec la cigarette, quand ils rentrent à l'hôpital psychiatrique, avant qu'il y ait la cigarette électronique, on leur collait des patchs à la nicotine. Et autant qu'ils avaient besoin. Qu'est-ce qu'on a montré en faisant ça? On a montré premièrement qu'il n'y avait plus d'agitation dans les services. C'est bizarre, hein. C'est pas l'heure de la cigarette, je veux fumer, tatati. On voit bien quand même qu'autour de cette affaire-là se cristallise un certain nombre de trucs. Deuxièmement, on voit que les gens avaient besoin deux fois moins de médicaments. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le fait de fumer modifie les taux de médicaments dans le sang et donc on donne moins de médicaments, ce qui fait que les patients sont moins ensuqués, supportent mieux le traitement, ont une meilleure relation avec les médecins. Et à la fin, qu'est-ce qu'on a montré? Qu'ils restaient moins longtemps hospitalisés. Pourquoi les gens n'appliquent pas ça dans les services de psychiatrie? D'abord parce qu'ils ne lisent pas. Parce qu'en psychiatrie. Non, les soignants. Les soignants ou le ministère de la Santé plutôt? Alors, le problème de la. Je répète, je vais revenir au début. Le grand problème de la psychiatrie, ça reste dans la constitution de la psychiatrie, qui est celui de l'internement. Cette question, elle vient en permanence polluer les choses. La psychiatrie, la seule discipline médicale, en admettant que c'en est une, à pouvoir priver les gens de liberté sur des critères arbitraires. Je suis désolé de le dire. Alors, normalement, vous allez en prison, c'est un juge qui vous met en prison. Être enfermé en psychiatrie, c'est l'équivalent de la prison. Je suis désolé. Il y a des moments où ça se justifie. Moi, j'ai pas de souci avec ça. Mais ce n'est pas au psychiatre de prendre cette décision et d'assumer cette décision. Donc, il y a le ministère de la Santé, si vous voulez, il est pris entre... plusieurs choses. Dès qu'il y a un problème, c'est le problème du fou et de l'internement. Donc est-ce que vous pensez qu'il va se préoccuper des cigarettes dans les hôpitaux psychiatriques? Qu'est-ce qu'il veut, lui? Il veut pas de bordel dans la rue, pas de problème avec les fous, et il y a des mecs qui sont là pour les aider, c'est la psychiatrie. Donc tout ça, ça restera bien plus important que la question de la santé des malades mentaux. Voilà. Alors après, qu'est-ce qui fait que dans les services, les gens sont pas informés à ça? Alors moi, je vois plusieurs raisons. Première d'entre elles, je l'ai dit tout à l'heure, les gens qui travaillent aux psychiatries sont encore plus mauvaise santé que les malades mentaux. Je suis désolé de parler de malades mentaux comme ça, mais quand vous allez dans un service de psychiatrie et que vous voyez la tronche des soignants, leur état de santé physique, putain, vous êtes inquiet quand même. Non, mais sincèrement, vous en avez vu. Ça vous rassure pas la majorité, quoi. S'ils respirent pas la bonne santé, ils sont pas, ils vont mieux aller au Club Med, quoi, pour être rassurés. Donc déjà, dans le corps médical, les médecins, déjà, c'est des gens qui prennent pas soin de leur santé. En général, ce qui est absolument curieux. Peut-être vous aussi, alors, peut-être. Quand vous donnez les 5. Non, excusez-moi. Quand vous donnez qu'il faut être en sécurité, prendre le temps de dormir, prendre le temps de. Mais manger. Il m'a fallu 50 ans pour apprendre ça. Donc, pourquoi avez, est-ce que vous y arrivez aujourd'hui? Oui, maintenant j'y arrive. Mais pourquoi? Parce que personne ne m'avait jamais expliqué. Tout ce que je vous raconte, je l'ai appris en lisant, en regardant, en expérimentant. Mais à l'école, on ne m'avait jamais dit. On m'a dit couche-toi à 9h, lève-toi à 6h, voilà. Je viens de découvrir ce que vous dites, donc je bois vos paroles. Non, mais vous n'êtes pas obligé d'expérimenter. Non, c'est pas la question. Mais est-ce que la société d'aujourd'hui peut mettre à profit ça, si ce n'est le métier de berger? Écoutez-moi, moi, je ne vais pas changer la société.
Je ne vais pas m'engager en politique, je n'ai aucun espoir de changer la société. Après, dans la place où je suis, vous me demandez comment je vois la psychiatrie, je vous explique. Après, c'est très très difficile à mettre en place. Dans mon propre série, c'est un message qui passe absolument pas. Voilà. Un peu, mais pas beaucoup. Donc, première chose, les soignants en général, les médecins, ils ne s'occupent pas de leur propre santé quand ils sont malades, c'est juste qu'ils vont mourir. Les soignants en psychiatrie s'occupent encore moins de leur santé que les médecins. Qu'est-ce que vous voulez? Ce principe, quand vous le dites, il faut l'appliquer à vous-même avant de l'appliquer aux autres, on est d'accord? C'est le problème des soins psychiatriques. C'est, je ne peux pas faire aux autres ce que je ne ferai pas à moi-même. Ah mais soi-disant interdit de fumer en psychiatrie, mais on a fait une petite... Comment? Oui, il faudrait prendre soin des soignants en psychiatrie, on est d'accord. Ils sont plus en danger, oui. On est d'accord. Il faudrait faire attention à la santé des soignants. Alors, je continue sur l'histoire du tabac et vous avez raison. Donc, le but du jeu, c'est de sortir de la clope. Et c'est exactement pareil, la question du tabac, que la question des troubles psy. Je m'explique. Vous prenez 100 personnes qui fument tous les jours. Vous en avez à peu près, en gros, la moitié qui fument par habitude. Ou comme les types qui boivent tous les jours, parce que tous les jours, on boit un coup, tout ça, dans la famille. Voilà. Et ceux-là, un jour, ils en ont marre, ils s'arrêtent. Mais ils arrêtent parce qu'ils ont changé leurs habitudes. Et c'est toujours ceux-là qui viennent aux conférences en disant « Mais moi, monsieur Lançon, ce que vous racontez, c'est des grosses conneries. Parce qu'il suffit d'avoir de la volonté. Et moi, par exemple, vous voyez, c'est l'exemple de ce qui marche pour moi devrait marcher pour l'ensemble du monde. Moi, par exemple, je me suis arrêté tout seul du jour au lendemain. Et tous ceux qui n'y arrivent pas, c'est des moins que rien, des lopettes. Hein? C'est comme ça que ça marche dans notre société. » Bon, je vous l'ai dit. Ça, c'est l'utilisation, les troubles psy, le machin qui est fonctionnel, qui est d'habitude. On a de mauvaises habitudes. Un jour, on se rend compte qu'on a de mauvaises habitudes. On peut les changer. Bon, ça, c'est 50% des gens qui fument. La question, c'est, est-ce que les gens qui ont des troubles psy, et en général, les gens qui ont des troubles psy n'en ont pas qu'un. C'est-à-dire, quand on souffre, on vous dit, ah, vous souffrez de schizophrénie, vous avez la schizophrénie, les troubles anxieux, la dépression. Donc, il faut arrêter de dire qu'on n'a qu'un seul trouble. On a, voilà. Donc plus vous avez de troubles, moins vous êtes dans ceux qui vont s'arrêter spontanément. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc on ne peut pas faire un programme dans lequel on dise bah, « les gens vont s'arrêter spontanément ». Il faut déjà un environnement dans lequel on ne favorise pas la cigarette. Et les environnements psychiatriques favorisent la cigarette. L'ennui, tout ce que vous voulez. Si c'est sale, on voit bien comment c'est aller dans un... Dans un café, vous verrez, ça pue la pisse, ça sent la vieille clope, ça sent l'alcool. En même temps, on vous vend des tickets de jeu. Non, mais on voit bien comment on fait un univers dans lequel on maintient les gens. Il n'y a rien qui ressemble plus qu'à un CMP, qu'un bar de la plaine. Ça sent aussi mauvais. Je vais me faire tuer si vous passez ça. C'est très, très important, ça. Ça veut dire que l'environnement, ça ne veut pas dire qu'il faut que ça soit beau. Il faut que ça favorise la santé. Alors, par exemple, il y a d'autres exemples. Ce qu'on sent. Sentir quelque chose favorise son état de santé. Il y a des tas de recherches qui montrent que la maladie mentale et les sensations olfactives sont liées. Bon. Donc, ce qui compte, c'est de sortir de la cigarette. Sortir de la cigarette, il y a plein de chemins pour en sortir. Plein. Soit vous avez la cigarette électronique, soit vous avez les patchs, soit vous avez les gommes. Vous avez... 1 million de moyens différents pour en sortir. Première chose. Deuxième chose, si vous n'êtes pas dans les 50% des gens qui peuvent s'arrêter du jour au lendemain, sortir de la cigarette, c'est un travail qui va demander 6 mois à 1 an. C'est-à-dire, je vais me fixer comme objectif, je serai sorti de la cigarette, c'est-à-dire aller au tabac en acheter ou m'enrouler, dans 6 mois à 1 an. Donc c'est un programme. Après, il y a des gens, ils ne peuvent jamais sortir de l'effet de la nicotine. Jamais, jamais. Vous me cherchez. Venez. Ils peuvent jamais sortir l'effet de la nicotine. C'est pas grave. Alors, ils vont fumer la cigarette électronique. Et qu'est-ce que vous faites des personnes, des jeunes ou des moins jeunes qui ne fument pas et qui se retrouvent dans cet environnement de fumeurs? Ah ben, de toute façon, les jeunes qui ne fument pas, si les parents fument, ils fument autant depuis qu'ils sont nés. C'est-à-dire, vous fumez, même si vous ne fumez pas chez vous, quand vous rentrez, si vous sentez la clope, vos enfants, ils fument. Les gens qui ont vendu la cigarette, ils l'ont fait exprès et ils le savaient. Ils savaient parfaitement que
que quand on veut asservir une population et les rendre dépendants du tabac, il suffit de laisser les femmes enceintes fumer ou boire de l'alcool. C'est terrible. Mais personne ne le racontera jamais. Et qu'il n'est pas nécessaire qu'une femme enceinte fume, il est suffisant qu'elle se trouve dans un environnement fumeur. Un environnement fumeur, ça veut dire une pièce dans laquelle quelqu'un a fumé plusieurs jours avant. Parce qu'une partie des effets nocifs de la cigarette se fixe dans la peinture des murs et se relâche pendant plusieurs semaines. C'est vachement compliqué de faire un programme de santé. Oui. Ah mais. Et je pense que c'est inadmissible que des gens qui ne fument pas se trouvent dans un service dans lequel il y ait la moindre empreinte de tabac. Il faut porter plainte pour qu'on respecte la loi. Ça, ça me rappelle quand j'ai fait mon service militaire à l'époque. Ah bah oui, c'était mieux, on donnait des clopes aux gens. Non, non, mais c'est ça. Il y avait bâtiments fumeurs et bâtiments non fumeurs. Ben c'est évident qu'il faut des services non fumeurs. Non, mais il y a plus de 30 ans, c'était séparé. Ben, c'est évident, ça. Des étages. Ah, mais je l'ai expliqué tout à l'heure. Tout le monde voit bien. Mais parce que c'est compliqué pour les soignants de prendre soin de leur propre santé. Vous comprenez, c'est un très bon alibi pour les soignants que les patients fument. Parce qu'en même temps, ils s'autorisent eux-mêmes de fumer. Parce que ce que je dis, c'est si vous voulez être soignant en santé mentale, vous devez d'abord apprendre, la question que vous posiez, apprendre en charge votre propre santé mentale. Vous aurez des problèmes psychiatriques, parce que ça fait partie de la vie. Mais si vous-même, vous n'avez pas réfléchi à cette question-là, vous ne pouvez absolument pas travailler avec les gens sur cette affaire-là. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, c'est pas bon de fumer. Non, non, le mieux en psychiatrie, c'est pas bon le cannabis. Hein. Et puis en même temps, c'est pas bon le cannabis. Mais qui est-ce que vous voulez que quelqu'un vous écoute? Vous puez la clope et vous dites au patient, mais c'est le cannabis qui t'a fait chuter. Le message que vous envoyez, il est fume encore plus. Ce que je dis, ne l'écoute surtout pas. Tu peux surtout pas me faire confiance parce que ce que je dis, je l'applique pas. Je suis d'accord. Et puis quand on est à la CMU, on peut avoir des patchs gratuits. En France, il y a des instruments hein, pour faire que les gens sortent du tabac. On ne peut pas dire que l'État français ne se préoccupe pas tout à fait, j'ai pas dit ça. Il y a des instruments, ils ne sont pas mis à disposition des gens et pas accessibles. La cigarette électronique, ce n'est pas la réponse du problème du tabac. C'est une des réponses. Il y a les patchs, il y a des tas d'autres trucs, hein, il y a des tas d'autres manières. Mais normalement, quand on prend en charge quelqu'un qui a un trouble psy, à chaque consultation, on doit se préoccuper de son problème de sécurité, de son problème de régularité dans ses rythmes, est-ce qu'ils sont appropriés à est-ce qu'il est lui, du problème du tabac et du problème d'alcool. On ne doit pas discuter du reste avant d'avoir fait ça. C'est pas ça qu'on fait. C'est « Ah, vous êtes angoissé ?» Oui. « Bon. Ah, vous entendez les voix ?» Oui, voilà. Donc, ça ne veut pas dire que ça ne fait pas souffrir les gens, hein, le fait d'être angoissé, d'entendre les voix. Il faut bien sûr s'en occuper. Évidemment qu'il faut s'en occuper. La question, elle est que si on résume ce qui est de l'ordre de la prise en charge, même si, ouais, le soin psychique, il faut libérer la parole, il faut que les gens parlent et tout ça, pour libérer la parole, pour être capable de la libérer, il faut déjà avoir respecté un minimum des besoins élémentaires des gens. Si vous n'êtes pas en sécurité, que vous menacez votre santé, pour libérer la parole, vous pouvez y aller, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme dire à un type qui est en train de se noyer, tu devrais apprendre à nager, quoi. Oui. C'est-à-dire tant mieux. Tant mieux. Mais ça veut dire que... Ah mais c'est ce que j'ai dit depuis le début. J'ai dit 100 personnes... Je suis désolé, je me suis mal exprimé. Sur 100 personnes qui viennent et qui ont un problème avec le tabac, il y en a 50% d'entre elles qui vont pouvoir, en changeant des choses de leur vie... Alors la psychothérapie, c'est une des choses qui change dans la vie. Mais... La psychanalyse, ça aide les gens pas malades, je suis d'accord. La psychanalyse aide les gens pas malades, je suis d'accord. Je dis, par exemple, dans les troubles psy,
il y a 50% des troubles, comme dans l'hypertension et comme dans le mal de tête, qui sont des troubles qu'on appelle fonctionnels, qui sont liés à des tas de déterminants et qui peuvent se régler à travers des changements dans sa vie. Les psychothérapies en font partie et la psychothérapie analytique fait partie des psychothérapies. Donc, tant mieux, je veux dire, l'essentiel, c'est d'arriver à trouver la réponse pour les gens. La question qui m'était posée, c'est vous, en tant que psychiatre, ce que vous faites. Moi, en tant que psychiatre, je sais que tout ça existe. Ça m'arrive très souvent de dire aux gens, vous n'êtes pas malade, ou vous avez besoin d'une psychothérapie, ou vous avez besoin d'avoir un psychanalyste, c'est pas de souci. Ça, ça ne me pose pas de problème. Le problème, c'est, pour les 50% qui restent, d'imaginer que uniquement la question de la psychanalyse, par exemple, soignerait les 50% qui restent. Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Voilà. Alors, après, ce que j'étais en train de dire, c'est, quand on construit un système de soins, le basique, c'est d'essayer de faire que les gens, on les rendent pas plus malades que ce qu'ils sont. Par exemple, la question du tabac, c'est une question très importante. Mais là, le tabac, vous pas considéré comme un symptôme, pensez-vous ? Plutôt, ça pourrait aussi le prendre aussi. Un symptôme de quoi ? Un symptôme de tas de troubles, que je ne peux pas savoir. C'est ce que j'ai dit. On prend 100% des gens qui fument tous les jours, 100% d'entre eux ont un trouble psychiatrique. Mais après, les troubles psychiatriques, ils peuvent être fonctionnels, ça veut dire se régler par des changements dans sa vie, qui peuvent être faits par la psychothérapie, mais aussi par des tas d'autres choses. Sinon, on n'arrive pas à comprendre, par exemple, comment il y a des gens qui vont beaucoup mieux en allant faire du sport, en changeant de vie. Vous voyez, il n'y a pas une réponse unique qui fait que, voilà, moi, je pense qu'il y a des gens qui ont tiré bénéfice de la psychanalyse, d'une minorité, d'autres qui n'en tirent aucun bénéfice, et d'autres pour lesquels c'est contre-indiqué. Voilà, c'est comme ça. Ce qu'il faudrait éviter, c'est de penser que ce qui a marché pour moi serait un traitement général qui marche pour les autres. Tant mieux, mais on est d'accord là-dessus. 50% des gens qui présentent des souffrances psychiques ne présentent pas de maladie. Tant mieux, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Est-ce que j'ai dit le contraire ? Je vous remercie. Je vous remercie. C'est important ce que vous dites parce que ça témoigne de la querelle qui existe historiquement en France. Ça n'existe qu'en France, ce type de discussion, et en Amérique du Sud. À chaque fois qu'on met le truc médical, il y a un genre de grand truc qui serait contre le truc médical, c'est la psychanalyse, il y a un débat interminable. Non, non. Ouais, enfin, ça vous a aidé, c'est l'essentiel. Mais le rôle d'un médecin, c'est de vous aider à trouver ce qui est le mieux pour vous. Voilà. Et si moi, vous venez et que je prends une attitude de psychanalyse et de traitement psychanalytique, je pense que je ne suis pas un médecin. La psychanalyse, ce n'est pas de la médecine. C'est une forme de thérapie. Et voilà. Et dans cette salle, je pense qu'il y a d'autres personnes qui diraient, mais moi, ce qui m'a aidé, c'est de faire du sport ou d'aller au Club Med ou de changer ma vie. Voilà. Et comment ? Ce qui est juste chez certaines personnes. Ce qui est juste, c'est exactement ce que j'ai dit. J'ai dit 50% des gens n'ont pas besoin d'un traitement spécifique. Après, il y a une question de la prévention des risques. C'est une chose qui est tout à fait négligée dans la psychanalyse. Un traitement qui vous demande 10 ou 15 ans pour aller mieux, c'est un traitement qui vous expose pendant 10 ou 15 ans à faire des complications. Je m'explique. Un très bon exemple qui permet de comprendre ce que je viens de vous dire. Lorsque vous buvez, vous avez des risques en permanence. Le premier d'entre eux, c'est celui de prendre une cuite. Quand vous prenez une cuite, vous jouez à la roulette russe du matin jusqu'au soir. Je vais vous donner un très bon exemple. D'abord, vous n'êtes pas dans votre état normal. Imaginons la situation suivante. Vous devez aller chez votre belle-mère, c'est Noël, vous ne supportez pas votre belle-mère, comme toutes les belles-mères. Et qu'est-ce qui se passe dans les repas de famille pour que ça chauffe ? On boit un bon petit coup.
Et quand on regarde de l'extérieur, quand on filme, comment ça se termine? Tout le monde a bu un petit coup, puis à la fin, le repas, c'est de la merde. Et en général, on a dit des saloperies à sa belle-mère qu'on n'aurait pas dit, juste parce qu'on a bu un petit coup, parce que quand on a bu un petit coup, on est désinhibé. Honnêtement, déjà ça, s'il faut 25 ans, parce que quand on a fait ça 25 ans, ça pose un certain nombre de problèmes, on a perdu sa belle-mère, on s'est disputé avec tout le monde et tout ça, juste parce qu'on a bu un petit coup. Ça, c'est le premier risque du fait de boire. Deuxième risque, bien évidemment, il y a des risques, une fois que j'ai un peu plus bu, je peux faire d'autres choses que des conneries, le fait d'avoir un peu bu. En général, quand on a bu, on a des graves troubles du comportement. ...80% des mecs qui sont en prison, c'est lié à l'alcool. Donc il n'y a pas de criminels sans alcool. Et ce n'est pas parce qu'ils ont un problème qu'ils boivent. Il n'y a pas de crime sans alcool. Il n'y a pas de violence conjugale sans alcool. Il n'y a pas de violence sexuelle sans alcool. Et il n'y a pas de maltraitance à enfants sans alcool. Donc, effectivement... On peut attendre 30 ans que ça marche. Bon, ça, c'est déjà le deuxième risque, même si vous buvez un peu. Parce que personne dans cette salle ici est capable de prédire avoir bu un verre, dans quel état il va être et comment il va interagir avec les autres. Si. Ah bon ? Ouais, celui qui ne boit pas. Voilà, celui qui ne boit pas, c'est le seul qui sait comment ça se passe. Tous les autres jouent à la roulette russe et ensuite, il y a un processus psychologique qui est normal. Quand j'ai mis les doigts dans la confiture, ben je me trouve toutes les bonnes explications pour que je les ai mis dans la confiture. Ça, c'est les deux premiers risques qui sont chez tout le monde. Puis après, il y a plein d'autres risques qu'on connaît. Les accidents de voiture, tatati, tatata. Puis ensuite, il y a d'autres risques quand on rentre à la maison. Vous sortez, vous buvez avec des collègues, vous êtes sous. Votre copine, elle n'est pas venue avec vous, elle en a marre de vous attendre. Vous arrivez, vous êtes ivre-mort. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous filez. Et vous ne pouvez pas avoir de relation affective normale. Je ne vous décris pas ce qui se passe quand vous êtes dans la chambre à coucher, mais si vous voulez, je peux vous le décrire. Il faut arrêter de dire des conneries. Donc, vous passez votre vie, même en buvant de temps en temps, dans un univers dans lequel tout est un peu différent de ce que vous êtes. Bon. Est-ce que vous pouvez travailler quand vous prenez des caisses tous les samedis soirs? Au début, vous arrivez le dimanche, vous avez mal à la tête, mais ça passe. Mais après, vous avez très mal à la tête le dimanche et le lundi matin, vous arrivez en retard. Et à la fin, vous avez des risques de perdre votre boulot. Alors après, c'est toujours pareil. Est-ce qu'on est dans un monde de super-héros qui ont de la chance, c'est-à-dire qui ont de la chance de ne pas faire trouble du comportement quand ils ont bu, de ne pas avoir un accident de voiture, de ne pas frapper sa femme, de ne pas engueuler ses enfants, de ne pas perdre son boulot, et en pensant que s'ils règlent leurs problèmes intérieurs dans 10 ans, ça ira mieux? Ou est-ce que, ça ne veut pas dire que c'est incompatible, ou est-ce qu'on est dans un système dans lequel on pense qu'il faut éviter que les gens aient des emmerdes, éviter que les gens aient des problèmes, et qu'on peut éviter tout de suite? Moi, je pense qu'on peut éviter tout de suite, et qu'ensuite, on peut donner la liberté aux gens de réfléchir sur leur vie. Le plus bel exemple, je vais vous le donner, je vais vous expliquer les choses très simplement. La France, c'est un pays dans lequel, j'ai rien contre la psychanalyse pour les gens qui ne sont pas malades. L'idéologie psychologique et psychanalytique est la plus puissante de tous les pays du monde depuis très longtemps. C'est une idéologie dominante et on voit bien, et je ne suis pas pour les thérapies comportementales et cognitives, je m'explique, je ne suis pas pour le tout des psychothérapies. Je pense que les psychothérapies, certains n'en ont pas besoin comme les médicaments. Donc pendant longtemps, on a été dans une idéologie comme ça, psychologisante, qui rejoint une certaine façon de voir la vie, qui est que finalement, si je trouve ce qui est au fond de moi, les trucs qui n'ont pas allé, en gros les fautes, et que j'arrive à dénouer ces choses-là, j'irai mieux. Il y a 50% de l'humanité qui pense comme ça, moi, pas. Et je ne vais plus à l'église, je ne me confesse pas, je ne crois pas en Dieu, enfin voilà, c'est mon droit, et la France, c'est un pays laïque dans lequel je ne devrais pas être persécuté pour ce genre de choses. L'idéologie analytique, répandue dans le système psychiatrique, qu'est-ce qu'elle a fait en France? Elle a fait que la France, c'est le pays développé, dans lequel les usagers de drogue ont eu la plus forte mortalité du monde entier. Parce qu'on pensait qu'il fallait qu'ils aient le temps d'essayer de comprendre pourquoi ils se droguaient. Le problème, c'est que ceux qui ont fini par comprendre pourquoi ils se droguaient, c'était 1 sur 1000. Tous les autres, ils étaient morts du sida. Et un jour, on s'est rendu compte, ah, c'était pas très, hein, que si on expliquait aux gens comment utiliser les seringues, comment se shooter dans de bonnes conditions, comment avoir accès au traitement de substitution, plus aucun mourrait. Donc c'est pas incompatible. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que nous devons d'abord, nous en tant que soignants, mettre en place des stratégies qui évitent aux gens de se faire mal. Et puis après, s'ils veulent réfléchir sur eux, ils le font. Mais moi, j'ai pas envie de réfléchir sur moi, je suis un imbécile. Vous allez vous tester, mais j'ai l'habitude.
Alors, je comprends tout à fait, et moi je ne suis pas là pour dire, je viens de dire que la psychanalyse était pour certaines personnes, que tout le monde n'avait pas besoin, et qu'il fallait donner des médicaments à tout le monde. J'explique. Les drogues, les substances psychoactives, l'alcool et les médicaments, c'est la même chose. Voilà. Merci. Ça vient du même endroit. À la différence près. Allô, allô, allô. À la différence près. À la différence près que ce qu'on a fait quand on a créé les médicaments psychiatriques, qui viennent de substances naturelles, la grande majorité d'entre eux, on a pris ce qui était dans la nature et on a essayé d'en sortir ce qui était soi-disant les effets thérapeutiques. On a essayé. Donc, en théorie, les médicaments psychiatriques sont des substances de la nature qui sont débarrassées d'un certain nombre de complications qu'on pourrait avoir. Voilà. Ce qui est en partie vrai. C'est-à-dire, la majorité des médicaments psychiatriques sont pas pires que de prendre une cuite. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais après, effectivement, ce sont des médicaments qui agissent à la fois sur l'ensemble de l'organisme et qui peuvent modifier l'esprit des gens. Et s'ils sont prescrits mal, pour dire les choses telles qu'elles sont, je suis désolé de le dire, et ça a parfois des conséquences bien pires que les traitements prescrits correctement ou pas du tout. On est d'accord. Ou l'alcool, on est d'accord. On est d'accord. On est d'accord, on est d'accord là-dessus. Il n'y a pas de souci. Il y a un très bon exemple. Par exemple, dans le cannabis, il y a certaines composantes qui sont des meilleurs traitements des troubles du sommeil que de prendre des médicaments pour dormir. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème pour moi. Mais après, la question, elle est exactement pareille. Elle est, est-ce que je suis un bon médecin qui est capable de dire, là, vous n'avez pas de maladie et vous relevez de quelque chose et vous avez la possibilité de trouver des choses qui vous aident? Je vais vous aider à trouver la psychanalyse, le truc, le machin, le sport, le bidule, je vais vous aider. Mais quand même, avant, j'aurais vérifié que vous êtes en sécurité, hein, que vous êtes en sécurité, que vous respectez vos rythmes, machin, que vous faites votre truc, hein, ok? Si j'ai pas fait ça, j'ai pas fait mon boulot. Et après, si malheureusement, je ne sais pas malheureusement, c'est pas juste, si je dois être amené à prescrire des médicaments, ce qui peut aider dans plein de situations, contrairement à ce qu'on croit, alors là, oui, il faut y aller, quoi. Il faut prescrire avec compétence. Bon. Et comment on sait la compétence de quelqu'un qui prescrit? La compétence de quelqu'un qui prescrit, c'est quelqu'un qui vous dit, voilà, vous allez me dire ce que ça vous fait. De bien ou de mal. Et vous allez me le dire très régulièrement. C'est-à-dire, je ne vais pas vous faire une ordonnance, bonjour monsieur, revenez voir dans un mois. Si je vous prescris un médicament aujourd'hui, dans les 3-4 jours qui viennent, il faut qu'on puisse en rediscuter. Et ce que vous ressentez, vous, c'est la vérité, et je dois trouver des moyens pour faire que ça soit le plus facile. Des fois, on n'y arrive pas, hein, entendons-nous. Hein. Des fois, ce n'est pas possible. Non, non. Qu'on a pris le somatique en compte, les médicaments, ils ont été changés et je l'ai traîné. Ah, ben oui, la prescription des médicaments, c'est une affaire sérieuse. Voilà. C'est une affaire très sérieuse. C'est une affaire très, très sérieuse. Il y a des abus et. Ben, alors, la question de la prescription des médicaments en psychiatrie, on peut en parler rapidement. Les médicaments, ça a été un changement dans les services de psychiatrie, puisque c'était un moyen de calmer tout le monde, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Avant qu'il y ait les neuroleptiques, l'hôpital psychiatrique, ça hurlait du soir au matin, et c'était quand même un endroit pas terrible. Donc, ils sont arrivés des médicaments, et qui ont permis largement de calmer les choses, et de faire les choses à côté. Donc, ça a été une très très grande révolution entre 50 et 60. Dans voilà. Mais depuis 1950-1960, globalement, l'idée des médicaments, elle n'a pas beaucoup changé. Donc c'est quand même rare en médecine que quand on découvre quelque chose, 100 ans, enfin 70 ans après, on continue à penser comme en 1950-1960. Je m'explique. Mon patron, par exemple, il disait « Quelqu'un qui a une réponse positive avec un neuroleptique, c'est un schizophrène. » Et c'était un test thérapeutique. Un truc. Première chose. Deuxième chose qu'il disait, c'est « Un traitement qui marche, si jamais il m'écoute, il me tue, c'est un traitement qui donne des effets secondaires. » C'est incroyable, ça. Donc, il y avait toute cette conception du médicament comme ça. Et puis, en face, il y avait des gens qui n'étaient pas du tout pour les médicaments en psychiatrie. Ils pensaient qu'ils n'étaient pas médecins, en gros, et que c'était la société qui rendait les gens malades. Ce qui est vrai, c'est 50% d'entre eux, je suis d'accord.
qui pensaient qu'il fallait surtout pas donner de médicaments. Mais ceux-là, ils étaient obligés parce qu'il y avait le bordel dans les services, donc il est prescrivé pour être tranquille, pour dire les choses telles qu'elles sont. Là encore, je vais me faire découper. Quand vous pensez, si vous prescrivez un médicament, premièrement, il faut que vous ayez une habitude extrêmement régulière de prescrire. En médecine, vous n'êtes pas un bon chirurgien tant que vous n'avez pas fait des milliers d'opérations. Vous n'êtes pas un bon prescripteur de médicaments tant que vous n'avez pas prescrit celui-là, une molécule, plusieurs milliers de fois. Première condition. Deuxième condition, c'est le patient qui sait ce qu'il ressent. Vous parlez de quelque chose d'innovant, là. C'est l'alliance thérapeutique entre le patient et le psychiatre. Mais malheureusement, c'est pas forcément... c'est très inégal d'un service à l'autre, même d'une ville à l'autre. Et d'un individu à l'autre. L'alliance thérapeutique, c'est quelque chose de très inégal d'un individu à l'autre, oui. On le voit entre les différentes générations, des jeunes qui ont 25 ans, 30 ans, et ceux qui sont un peu les routards de la psychiatrie qui ont entre les 50 et 60 ans, où on voit que c'est vraiment très différent d'un individu à l'autre. Ça, c'est un énorme problème de la psychiatrie, qui est un peu moindre dans les disciplines médicales, c'est que, d'une part, vous ne savez pas quels soins vous allez avoir quand vous arrivez quelque part. Quand vous allez dans un service de chirurgie, en général, si vous y allez pour une rotule, on ne vous opère pas de l'œil. En psychiatrie, quand vous arrivez, vous ne savez même pas si vous arrivez pour une rotule, et vous sortez, on vous a opéré les oreilles. Donc c'est et encore si on vous le dit. Donc déjà, c'est un univers assez difficile qui n'arrive pas à expliquer ce qu'il fait. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous avez raison, en psychiatrie, comme c'est une discipline très théorique où les gens parlent beaucoup, il faut voir d'ailleurs le nombre de réunions qu'on fait en psychiatrie. Plus vous faites de réunions, moins vous occupez des gens. Une journée étant pas extensible, si vous avez déjà 3 réunions dans la semaine, eh ben ça fait déjà 3 demi-journées, vous ne voyez pas de malade. J'ai dit tout à l'heure que pour être compétent pour prescrire un médicament, il faut l'avoir prescrit 3000 fois. Alors ça veut dire avoir vu 3000 personnes différentes. Comptez sur vos doigts. Combien de temps il faut pour voir une personne? Il faut une demi-heure à une heure maximum, d'accord? Donc ça veut dire qu'il faut que vous ayez fait au moins 3000 heures de consultation de personnes différentes. Ça veut dire pas toujours les mêmes toutes les semaines. Quand vous faites 2 demi-journées de consultation, de 2 heures à 5 heures, essayez de téléphoner pour un rendez-vous après 7 heures dans les services. Et que vous avez donc, en gros, 4 patients à la consulte. Toujours les mêmes. Il vous faut 250 ans, pour avoir prescrit 3000 fois le médicament. Donc, je suis désolé, voilà. Il y a effectivement, c'est difficile, et je pense que c'est lié au fait que les soignants en psychiatrie ne prennent pas soin de leur santé. Et que c'est compliqué quand on ne prend pas soin de sa santé de s'occuper des autres, voilà, c'est comme ça. Mais c'est un véritable problème. Après, la question de l'alliance thérapeutique, mais c'est comme toute discipline en médecine. Avec la différence près qu'en psychiatrie, le discours sur l'alliance thérapeutique, il est impossible. Parce que si vous parlez avec moi, j'ai toujours la possibilité, à un moment ou à un autre, de fermer la porte et de vous embastiller. Ça, c'est pas possible avec aucune personne. C'est-à-dire, si je pense à un moment que vous vous mettez en danger, il est mieux que nous puissions en discuter à plusieurs et qu'une décision extérieure puisse vous obliger à être pendant quelque temps enfermé. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et ce bruit permanent là, il va me sauter dessus, il va me piquer les fesses. Des fois, c'est obligatoire, on ne peut pas faire autrement. Je suis désolé. Si quelqu'un est en train de mourir, il faut faire un massage cardiaque. Mais ça reste un bruit vachement important qui rend très difficile l'alliance thérapeutique. Ça, c'est un des problèmes de la psychiatrie majeure. Oui. La pérégrance, elle va gérer ça. Et par contre, la discipline de la psychiatrie, c'est le seul truc de médecine, je ne sais pas moi, qui est sécurisé, donc on ne peut pas aller au boulot. Moi, ça fait 2 ans qu'il y a un patient qui s'est allé chez vous parce que vous avez sécurisé. Je vais parler de la sectorisation. Oui. En ce qui concerne la disponibilité de la palette de médicaments, qui n'est pas si importante que ça. On n'en a pas beaucoup. Est-ce que c'est toujours administrativement, les mêmes. C'est toujours aussi bloqué en France? Ah non, c'est bloqué partout dans le monde. Ah non, bon, vous savez bien. Hein, on peut trouver ailleurs en Europe des médicaments qu'on ne trouve pas en France et qui sont positifs pour le malade qui est en France. Alors, je vais répondre à plusieurs choses. La question de la sectorisation et la question de la disponibilité et des recherches des médicaments.
Je ferai la sectorisation, si j'ai oublié, vous me le dites, parce que j'ai dit beaucoup de mal de la psychiatrie, donc je ne voudrais pas que tout le monde ait le sentiment que je passe mon temps à dire du mal à la psychiatrie. Moi, je ne suis pas psychiatre, hein, je vous le dis tout de suite. Bon, d'un point de vue général, on entend partout qu'en France, on est complètement drogué avec les médicaments, que la France est un pays vraiment vendu à l'industrie pharmaceutique, tout ça. Alors, il faut quand même bien savoir qu'en psychiatrie, on est quand même une des disciplines dans lesquelles on a le moins de médicaments différents. C'est-à-dire, si vous avez de l'hypertension, si vous avez un cancer, la gamme de médicaments différents, c'est-à-dire leurs actions différentes, elle est beaucoup, beaucoup plus grande qu'en psychiatrie, où, en gros, on a à peu près toujours le même type de choses. Donc, c'est une énorme perte de chance pour les patients psychiatriques, c'est que ils n'ont pas la possibilité d'avoir beaucoup de médicaments différents. Première chose. Donc, le truc... on drogue les Français, l'industrie pharmaceutique, c'est une perte de chance à moyen terme pour les patients, parce que l'industrie pharmaceutique, elle va dans les endroits où elle peut faire du bénéf, elle vend des médicaments, comme les types vendent des voitures. Qu'est-ce que je vous dis, c'est leur gagne-pain. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, mais ça marche comme ça. Alors, ils vont dans des endroits où ça ne se passe pas comme ça, et dans les endroits où ça ne se passe pas comme ça, c'est sûr, il n'y a pas de réglementation, et ils vendent leurs vieux médicaments comme ça. Il y a un exemple qui montre... comme quoi c'est possible de travailler autrement avec l'industrie pharmaceutique, c'est le sida. Dans le sida, il a été possible de faire que l'industrie pharmaceutique, sous la pression des associations de patients, développe des médicaments en partenariat avec les États, riches, c'est un problème, mais en tout cas avec les États, qui soient des médicaments utiles et performants. En psychiatrie, c'est impossible. Pour une autre raison, c'est qu'il n'y a pas du tout quelqu'un entre les médecins, les soignants et l'État. Il n'y a aucune association qui est capable de peser dans le discours comme intermédiaire entre les décisions entre les soignants et l'État. C'est un énorme problème et c'est lié au fait que la parole des soignants est discréditée parce que c'est des fadas qu'on peut interner. Je suis désolé de le dire aux gens. Donc il y a un exemple qui est que l'industrie, dans certaines circonstances, si on impose un cadre, elle peut tout à fait tirer des bénéfices financiers conséquents, mais aussi produire des médicaments qui sont tout à fait utiles et profitables pour les gens. Donc ça, voilà, première chose. Deuxième chose, eh ben oui, ça pose un problème, c'est que vous pouvez aller en Belgique acheter des médicaments qui ne sont pas commercialisés en France. Et actuellement, la France est un des pays d'Europe dans lesquels il est, du fait... du message permanent qui passe partout, les médicaments, tatati, tatata, les médecins, c'est tous des salauds, et bien la France, c'est un des pays dans lesquels il y a le moins de médicaments en psychiatrie qui ont des autorisations et qui sont commercialisés au cours des 10 dernières années. C'est un énorme problème. Donc vous, parfois, vous pouvez traverser la frontière, juste d'aller dans un autre pays, et puisque votre enfant a la chance de répondre à cette molécule-là, il peut l'acheter de l'autre côté de la frontière. Et ceux qui ne savent pas faire ça, ben, ils ne peuvent pas avoir accès. Ça s'appelle perte de chance. Et dans certaines disciplines médicales, les associations de patients ne toléreraient pas ce genre de choses. C'est antidémocratique, ça. C'est-à-dire qu'une personne qui a l'étiquette de souffrant de schizophrénie réponde à un médicament et que d'autres ne puissent pas l'essayer, ça pose une question. Pour des raisons... Après, je ne dis pas qu'il faut le donner à tout le monde n'importe comment, mais qu'il n'y ait pas la possibilité... On ne va pas raconter votre histoire, mais c'est quand même une histoire absolument incroyable. Vous êtes obligé d'acheter le médicament dans un autre pays qui est le seul médicament qui a permis de stabiliser correctement votre enfant. On est d'accord ? Tout à fait. Ça veut dire que des fois, c'est possible. Mais avec une ordonnance qui est quand même faite par le psychiatre. Ah bah oui, en France. Une ordonnance d'un psychiatre français, ben oui, c'est l'Europe, on a le droit d'aller acheter les médicaments dans tous les pays. Si vous n'avez pas l'ordonnance, il ne la garde pas, l'ordonnance. Mais la différence près, elle est que ça ne vous est pas remboursé. Ah ben, ça c'est clair. Faudrait quoi? Alors là, si vous voulez, là c'est sûr que vous enregistrez l'industrie pharmaceutique à 2000%, puisque ce médicament n'est pas remboursé. Donc vous voyez, les discours sur l'industrie ont des effets. Donc j'ai fait un peu le truc des médicaments, et c'est vrai qu'on est dans une impasse en psychiatrie à plein de questions, hein, la question de la santé, la question de l'organisation, et la réalité, c'est qu'on n'a pas assez de médicaments différents, hein, j'entends. C'est-à-dire, tous les médicaments pour le sommeil, c'est tous les mêmes médicaments. La plupart des médicaments sur l'anxiété, c'est tous les mêmes. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, si vous avez la même molécule ou les mêmes effets, mais qui sont sous 40 paquets différents, vous n'avez pas d'effets différents. Bon. Donc, on est dans une impasse au niveau des médicaments. Énorme. Et on n'a fait aucun progrès avec les médicaments au cours des 20 dernières années. Il n'y a pas une discipline médicale où c'est comme ça. Vous pensez quoi des recherches sur les molécules contenues dans le cannabis qui seraient bonnes pour les schizophrènes
Ah, c'est une très bonne question. Je finis sur le secteur, j'y réponds. Le secteur, il faut être hyper clair. Le secteur, dans la loi, elle ne s'impose qu'aux soignants. C'est-à-dire, on ne peut pas, en théorie, dire « je ne vais pas vous recevoir parce que vous n'habitez pas dans mon secteur ». Ça, c'est un détournement de la loi. Après, je sais bien comment ça se passe. Dans la loi, c'est une obligation pour les gens qui n'ont pas de médecin d'avoir au moins la chance de trouver un médecin qui est le médecin du secteur pour les soigner. Elle était construite comme ça, la loi. Mais elle n'est pas appliquée comme ça. Deux mots sur le cannabis. Alors, il y a une grande question. Est-ce que le cannabis, ça donne des maladies mentales? Commençons par ça, parce que c'est quand même l'argument général dans la population. Je vous ai parlé de la cigarette, mais on ne dit jamais maladie mentale et cigarette à la télé. Hein. En France, il y a 20 millions de types qui fument tous les jours. Il y a 600 000 mecs qui fument du cannabis tous les jours. Donc, il faut savoir de quoi on parle. Ça veut dire que la politique de santé publique dans ce pays, elle n'est absolument pas du tout dans la tête des gens qui nous dirigent. On n'est pas dans un pays dans lequel on se préoccupe de la santé des gens. C'est vraiment pas le moteur. Alors, premier élément de réponse. Il y a des gens, lorsqu'ils vont utiliser le cannabis, mais ils peuvent utiliser d'autres choses, à certains moments de leur vie, qui risquent de voir apparaître des troubles qui seraient probablement apparus. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Ça veut dire que ça peut accélérer chez certaines personnes et à un certain moment l'apparition des troubles psychiatriques. On sait à peu près quelle est cette période. Cette période, elle est à la période pubertaire. J'ai déjà mis 10, 100 fois. C'est quoi la puberté? Si vous ne savez pas, parce que plus personne ne le sait, je peux vous faire un exposé. Mais on a remplacé le mot puberté par le mot adolescence. Donc on ne peut pas faire la prévention. Quand vous êtes en période pubertaire, c'est-à-dire les quelques semaines et quelques mois avant que vous ayez des poils aux couilles, jusque les quelques semaines ou quelques mois après que vous ayez des poils aux couilles, c'est comme quand vous êtes une femme enceinte, là, il est totally forbidden de prendre une substance psychoactive. Ceci d'autant plus que si vous avez vous-même dans votre famille des gens qui ont des maladies mentales, que vous avez vous-même votre mère qui a fumé pendant que vous étiez enceinte, que vous avez, sans le savoir, hein, vous-même votre mère qui a bu quand vous étiez enceinte, que vous avez vous-même été victime de violence, vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a une période dans laquelle effectivement il faut absolument interdire l'usage des substances psychoactives ou essayer d'éviter que les gens prennent les substances psychoactives, quelles qu'elles soient. Le cannabis en étant une d'entre elles. Le problème du cannabis, c'est un autre problème, c'est que le cannabis, c'est deux problèmes. Le premier, c'est que c'est d'abord illégal. Quand c'est illégal, personne ne sait ce que vous fumez. Donc il y a des choses, que vous, quand vous fumez quelque chose qui s'appelle du cannabis, qui sont peut-être d'autres choses qui peuvent vous entraîner des maladies. C'est un produit qu'on ne connaît pas. Donc les produits illégaux, ça ne permet pas de connaître ce qu'il y a dedans. C'est un énorme problème. Deuxième problème, le cannabis, c'est une plante. J'ai dit, les médicaments, ils viennent des plantes. La démarche qu'on a faite, c'est qu'on sait que dans les plantes, il y a plein de composants physiques et chimiques qui ont, chacun d'entre eux, des effets différents. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Quand on a synthétisé les premiers médicaments psychiatriques, on s'est dit, on va sortir de cette plante un certain nombre de substances pour en avoir qu'un effet. Le premier exemple, ça a été la cocaïne. On a pris des feuilles de coca, on a extrait à l'intérieur des feuilles de coca ce qui était de l'ordre de certaines substances, et on a créé la cocaïne, dont la première utilisation était, s'il n'y avait pas eu la cocaïne, il n'y aurait pas eu d'anesthésie. La cocaïne a été le premier médicament qui a permis d'opérer les gens sans qu'ils souffrent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc dans le cannabis, on est exactement dans la même situation. On est dans la situation où on donne aux gens des feuilles de coca illégales, en sachant que dans le cannabis, il y a des substances qui peuvent être bonnes pour certaines choses et mauvaises pour certaines choses. Je m'explique. Dans le cannabis, il y a plein de molécules différentes, pour faire assez simple. Il y en a qui peuvent aggraver l'anxiété, par exemple. Le bad trip, je me suis angoissé quand j'ai fumé. Et il y en a d'autres qui permettent, chez certains, mais c'est comme pour les médicaments, chez certains, de faciliter le sommeil, par exemple. De ne pas avoir de troubles du transit. Donc effectivement, le fait que ça soit illégal, le fait que ça soit condamnable, ça ne nous permet pas de travailler. Mais on a des idées dedans, il y a des molécules qui peuvent fonctionner ou pas, oui, il n'y a pas de problème. Quand c'est de la recherche, vous avez des autorisations, non? Pour fumer? Non, pas pour fumer, mais pour travailler sur certaines molécules. Oui. Alors, la recherche, c'est de la politique. Actuellement, si vous faites une recherche qui montre que le cannabis, c'est mauvais, vous avez de l'argent et vous passez à la télé.
et vous avez des fonctions importantes. Vous comprenez ce que je suis en train de dire ? Si vous faites des recherches dans lesquelles vous dites « Ah non, mais finalement, ça peut être bon, mauvais, mais ça dépend des gens », ben, c'est pas facile de passer à la télé et d'avoir l'argent. Moi, ça m'est arrivé, puis c'est pas ça, il y a des patients qui me l'ont raconté. Je vous raconte une histoire. Je vois un monsieur qui a 70 ans, qui a une histoire médicale très compliquée, je vous raconte pas les détails. Il a des troubles du sommeil. Et puis, il a ce qu'on appelle un syndrome des jambes sans repos, il n'arrive pas à trouver... Vous savez, comme quand on a les neuroleptiques, là, qu'on n'arrive pas à tenir en place. Il va voir les plus grandes sommités du pays, ah, monsieur, c'est ça. Donc, on lui prescrit des médicaments X ou Y, ça le rend complètement malade. Ah, il va voir un autre médecin. Ah, mais non, c'est ça comme maladie, prenez tel truc. Ah, un troisième, faites une psychothérapie, c'est parce que vous avez des soucis avec votre femme, ou 70 ans, hein. Vous devriez aller voir un psychiatre parce que vous êtes déprimé, enfin bref. Le type, il a de la chance, il voyage. Et puis, il va dans un autre pays, à 70 ans. Puis, il voit des gens dans d'autres pays où on utilise le cannabis pour dormir. Et les gens avec qui ils dînent, qui ne sont pas des voyous, disent « Tu devrais essayer de prendre un peu de cannabis, peu importe la forme. » Il prend le cannabis, plus de troubles du sommeil, plus de trucs dans les jambes. Qu'est-ce qu'il fait ? Il rentre et il dit à son médecin « Ça me soigne le cannabis. » Le mec lui dit « Mais vous êtes un toxico, c'est pas possible. » Alors, il fait comme vous. Donc, vous voyez, cette diabolisation du truc, je ne suis pas en train de dire qu'il faut prendre des médicaments, je ne suis pas en train de dire que le cannabis c'est bon, je ne suis pas en train de dire que tout le monde doit prendre du cannabis, hein, entendons-nous. Mais je pense que c'est un peu plus adapté et qu'on doit faire attention à la santé des gens. Voilà. Deux questions encore, après on s'arrête. Vous en avez déjà posé au moins cinq, donc faites attention. Cinq, c'est les cinq que vous avez commencé à poser. La sécurité. Être en sécurité. Je vais détailler le mot sécurité. Être en sécurité, c'est l'élément le plus important qui vous permet d'être en bonne santé. Être en sécurité, c'est premièrement avoir la possibilité de vous isoler de tout. Avoir un endroit à vous dans lequel vous pouviez vous retrouver quelques minutes seul avec vous-même. Vous êtes en insécurité lorsque vous êtes dans une chambre et que quelqu'un, toutes les 3 minutes, entre et regarde comment vous allez. Et d'ailleurs, vous avez tous constaté, quand vos enfants ils font ça, ils vous mordent. J'ai pas dit pouvoir être enfermé dans la chambre toute la journée. Avoir un endroit à moi, ça ne veut pas dire ma chambre, parce que ça, c'est autre chose. Chaque enfant ne doit pas avoir sa chambre. Mais dans un environnement, est-ce que j'ai un endroit dans lequel je peux rester quelques minutes ou quelques heures tranquille avec moi-même? Est-ce qu'on a défini dans le système dans lequel je suis, c'est possible, oui ou non? La première chose qui est la sécurité, ça va à un petit endroit dans lequel, voilà, donc quand vous êtes dans la rue, vous êtes en insécurité, mais même si vous êtes avec votre chambre personnelle et que, voilà, vous êtes en insécurité aussi, première chose. Deuxième élément de sécurité, c'est ne pas être victime de violence. Les violences, elles sont verbales. Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir un enfant comme toi ? Voilà. Ne pas vivre dans des violences entre tout le monde, comment on se parle, comment on gère les conflits, voilà. Les violences physiques, et puis violences sexuelles. Quand même, ça existe, les violences sexuelles. C'est un sujet méga tabou. Mais... quand même pas un détail, quoi. C'est le minimum. Et c'est compliqué. Parce que dire ça, ça veut dire respecter un certain nombre de choses chez les autres et c'est pas simple. C'est pas simple. C'est vraiment pas simple. C'est vraiment pas simple. Mon interrogation est un peu loin de ce débat, mais je voudrais rebondir sur ces 4 besoins. En tant que parent de quelqu'un qui est schizophrène, c'est tout notre travail. Assurer cette sécurité. Mais d'un autre côté, quand on est face à quelqu'un qui est dans le déni absolu, c'est aussi dangereux parce qu'on maintient l'illusion que tout va bien. Parce que la personne vit quelque part en sécurité, elle a du temps, même si elle ne travaille pas, pour élaborer tout un système qui lui permet de s'auto-justifier. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On est obligé de continuer à assurer ce bien-être, à répondre à tous ses besoins, qu'il soit aussi heureux que possible, mais en même temps, on contribue inexorablement à maintenir une illusion. Votre question, elle est complexe. Mais je vais essayer de trouver des réponses. D'abord,
c'est vrai qu'on a tendance, ça c'est typiquement lié à la pensée française, lorsqu'on dit quelque chose qui pourrait être simplement mis en évidence, c'est de sortir un contre-exemple excessivement difficile pour invalider ce que je viens de dire. Tout le monde fait ça, hein. C'est-à-dire, ouais, on peut très bien arriver de faire que... Hein, et puis à ce moment-là, il y a toujours un mec qui se lève et qui dit « Ouais, mais moi, mon fils, il n'arrête pas de fumer 25 cigarettes depuis 20 ans, tout ça. » Je pense qu'il faut d'abord, après, je vais essayer de, d'un point de vue collectif, de commencer par les choses les plus simples. Et moi, je ne suis pas capable de régler les choses les plus compliquées. Et donc les services, ils doivent d'abord, et les soignants, et la santé, ça doit être d'abord commencer à faire tous les choses les plus simples. Et puis après, on verra s'il reste des choses compliquées. Ça ne répond pas à votre question, hein, mais ça, c'est un point de vue général. Bon. Si vous arrivez dans un endroit dans lequel ça sent bon, les gens sont souriants, parce qu'on connaît les facteurs qui favorisent l'alliance thérapeutique. Hein. Si vous, il n'y a pas beaucoup de facteurs qui favorisent l'alliance thérapeutique en médecine. Si vous arrivez dans un endroit où vous rencontrez quelqu'un qui sourit, la première personne, c'est con à la vie, hein, et ben c'est quand même bien mieux que quelqu'un qui vous dit rien. Faites une photo, quand vous arrivez la première fois, dans les endroits où vous êtes dans le système de soins, et vous verrez rapidement que ceux dans lequel vous vous sentez le plus en confiance, c'est quand même celui dans lequel vous avez été accueilli par quelqu'un qui vous donne un sourire. Et l'être humain, il a besoin d'être accueilli d'une certaine façon, mais pas la peine de vous servir du champagne et du caviar, c'est pas ça que je veux dire. C'est quelle est ma disposition qui se manifeste dans mon corps, qui fait que, première chose. Deuxième chose, c'est effectivement les lieux dans lesquels l'alliance thérapeutique se passe pour mieux, c'est les lieux dans lesquels on sait la difficulté des choses qu'on va demander aux autres et qu'on est capable de se les appliquer à soi-même. Je donne un très bon exemple qui va vous sembler complètement débile. Les endroits dans lesquels les patients sont, ont plus en confiance, c'est ceux dans lesquels tout le monde pisse dans le même chiotte. C'est brutal ce truc. Hein. Ça veut dire que les maladies, ça ne s'attrape pas normalement pisser dans les chiottes des malades et les chiottes du personnel. Tant que vous n'êtes pas capable de partager des choses de l'être humain avec les gens que vous accueillez, vous êtes dans une telle distance. Je n'ai pas dit on va tous s'aimer et se marier. Je parle de choses très simples. Lorsque vous mettez des barrières comme ça, énormes, comme si vous étiez une bête contagieuse, alors vous ne pouvez pas créer d'alliance thérapeutique. Après, les gens, ils se débrouillent, ils sont intelligents, ils font avec vous parce qu'il y a des gens malins. Mais ils n'ont pas d'alliance, mais ils vous utilisent et ils ont raison. Voilà, donc l'accueil, effectivement, c'est une vraie question, mais ce n'est pas une question philosophique. L'accueil, c'est une question, voilà, c'est comment j'imagine que je suis détendu la première fois que j'arrive quelque part. Eh bien, on est tous pareils. C'est à peu près correctement éclairé. La personne est à peu près souriante. Ça sent à peu près bon. Je ne vois pas des mecs, voilà. Je suis accueilli individuellement. On me prend à l'heure. Ah ouais, c'est du béaba. Si vous ne faites pas ça, c'est même pas la peine de discuter, de faire des tables rondes sur l'alliance thérapeutique. Voilà. Il y a les WC pour l'infirmière, les WC pour le médecin-chef et les chiottes pourries dans lesquelles tous les malades pissent et ça pue. Mais c'est quoi ce respect? Mais comment vous voulez parler d'alliance thérapeutique? Qui vous êtes? Et c'est des choses toutes simples. C'est pas la peine de se réunir pendant 250 ans et de faire des tables rondes sur cette affaire-là. On a quand même un certain nombre d'idées, ce qui fait que les gens... Mais c'est comme si vous étiez chez vous. Vous invitez des gens chez vous. Ah non, on va pisser chez le voisin. C'est exactement ça qui se passe quand vous arrivez à l'hôpital. Qu'est-ce que vous pensez? Je vous donne cet exemple-là parce qu'il est un peu, quand même, il est un peu assez typique de ce qui se passe à l'hôpital. Voilà, donc c'est des petites choses comme ça, l'alliance thérapeutique. Alors après, je vais répondre, essayer de répondre à votre question. J'ai pas dit... que s'occuper de la santé, c'était dire amen à tout, et voilà. La santé et le bonheur, c'est en partie lié, mais c'est pas la même chose. Il y a des gens qui sont en mauvaise santé, qui sont parfaitement heureux. Pas beaucoup, mais il y en a. Bon. Je disais, il faut essayer de maintenir la santé des gens. Et avoir des stratégies qui aident les gens à se maintenir dans un processus de santé. De la même façon, et ça c'est la question, effectivement, on a mis longtemps à comprendre pour la psychiatrie, si on ne maintient pas la santé des familles, si on dit « Ah, ben, c'est de ta faute parce que tu es une mauvaise mère », mais on aggrave mille fois la santé des patients et des usagers. Si on ne se préoccupe pas de la santé de l'entourage, les pères aidants, tout ce que vous voulez, tous les gens qui sont autour, peu importe qui ils sont,
après je parlerai du problème des parents. Ben, on n'a aucun effet sur la santé des gens, ou très peu, on le sait depuis très longtemps. Vous prenez des gens, 100 personnes, vous les remettez dans un système de soins X. Vous occupez de la famille, vous occupez pas de la famille. Ceux dont vous occupez la famille, ou des gens qui sont autour, après je vais expliquer ce que ça veut dire s'en occuper. Vous occupez les gens, ceux dont vous occupez de l'entourage, 70% d'entre eux ne rechuteront jamais. Ceux dont vous occupez pas l'entourage, 20% d'entre eux rechuteront jamais. Une fois que vous avez vu ça une fois dans votre vie, vous ne pouvez pas continuer à dire « mais moi je ne parle pas à la famille, je ne parle pas de la personne, je ne m'occupe pas de la personne qui l'aide », qui est la personne qui vit avec vous et qui vous aide dans le quotidien à gérer votre maladie, qui n'est pas la même chose que gérer votre vie. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Bon. Donc il faut effectivement, c'est très important, c'est le soutien qu'on apporte à la personne et le soutien qu'on apporte à son environnement. Alors comment on fait ça ? C'est, effectivement, c'est à réfléchir, mais on ne peut pas recevoir quelqu'un qui souffre de troubles psy, une fois que j'ai éliminé les troubles qui se règlent par des choses très simples ou par des choses très personnelles, et dont je sais qu'il va avoir besoin d'un traitement qui va durer un petit moment, sans absolument s'occuper des gens qui vont l'aider à gérer la maladie. Moi, soignant, je vais vous voir 3 minutes tous les 2 mois, donc je ne m'occupe pas de vous, même si c'est 1 heure toutes les semaines. Ceux sur qui ça incombe, c'est ceux qui partagent les soucis liés au fait que vous souffrez. Et bien ceux-là, on a besoin de s'occuper d'eux. S'occuper d'eux, c'est encore pareil. Il y a des grandes règles qui ne sont pas propres à la schizophrénie. Il y a des règles pour tout ce qui est de l'ordre de la santé. D'abord, il faut donner l'information aux gens. Voilà, monsieur, madame, nous allons faire ça. Ça, ça et ça. Ça ne veut pas dire je vais dire ce que m'a raconté la personne dans mon bureau. Je vais demander à cette personne l'autorisation de le faire. Et même si elle ne me donne pas l'autorisation, je peux le faire. Je m'explique. Il nous est arrivé de prendre en charge des familles dont nous ne nous occupions pas des patients. Des enfants qui étaient malades. C'est-à-dire les gens sont venus dans des programmes type pro-famille alors que leurs enfants étaient pris en charge ailleurs. Voilà, si je ne me sens pas de m'occuper que la prise en charge des familles, il est absolument anormal que je n'explique pas à la famille, mais il y a des programmes qui existent qui pourraient vous aider à gérer les choses. Voilà, je ne dis pas que tous les services vont tout faire. Donc ça, c'est la première chose. Donner l'information. Voilà les traitements, ce qu'on fait, voilà la prise en charge qu'on fait, et les donner régulièrement, ce qu'on attend, ce qu'on n'attend pas. Plein de familles, mais ce n'est pas propre en psychiatrie, en médecine, sont complètement désarçonnées parce qu'ils n'ont aucune idée de ce qui se passe pour la personne à qui on donne à la médecine. Vous comprenez ce que je veux dire ? Première partie. Donc la psychiatrie n'est pas différente. Deuxième partie, comment je gère la relation avec quelqu'un qui souffre de maladie ? Ben, je suis désolé, ça s'apprend. Quand mon fils est toute la journée au fond du lit, la tentation, c'est de dire « lève-toi et bouge-toi le cul ». La même tentation habituelle comme celle de dire « moi, je me suis arrêté de fumer spontanément ». Il faut longtemps pour comprendre que certains s'arrêtent spontanément, que d'autres ne peuvent pas s'arrêter spontanément. Ben, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il faut donner à la famille un certain nombre de capacités à comprendre les situations qu'ils vivent en permanence pour les gérer. Mais ça n'a pas beaucoup de différence que votre fils soit diabétique. Si, il y a une petite différence, c'est que les maladies psychiques, souvent, elles se manifestent dans la tête et dans le comportement. D'accord. Mais une fois que on vous donne un certain nombre de clés, les gens qui ont participé à des programmes de psychoéducation, ils peuvent témoigner du fait que quand on a donné un certain nombre d'explications et des façons de gérer ces choses-là, ça rend les relations moins complexes. D'accord. Et troisième élément, ben, c'est évident que de la même façon que les soignants doivent se préoccuper de leur propre santé, lorsqu'on est aidant, père aidant, parent, si on ne se préoccupe pas de sa propre santé, comment vous voulez être vecteur de la promotion de la santé des gens que vous accompagnez, alors que votre propre santé, vous la mettez en danger ? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Donc il faut en même temps, troisième chose, aider les gens qui sont aidants, parents, tout ce que vous voulez, à s'autoriser à travailler sur améliorer leur capital de santé. Si on fait ça, effectivement, on améliore considérablement la santé de tout le monde. Ah oui, alors, vous vouliez poser une question, je réponds aux deux en même temps, après je finis. Non, non, allez-y, allez-y. Je veux dire comment mes parents sont psychophobes, je sais pas si elles disent qu'ils sont un peu plus télé, et mon fils a des troubles, mon fils est guéri, je suis élégante, et moi j'ai comme appui des personnes de la santé médicale, et ça change énormément, et pour les gens comme personne, d'être pas oublié les associations et les jeunes. Je suis tout. Alors. Je réponds à votre remarque, comme ça, ça fait suite. Et puis après, je réponds à votre question que j'ai oubliée, je suis désolé. La rémission. Ah oui.
Il faut être très très clair. Quand vous êtes face à quelqu'un qui souffre de troubles psy, comme vous devez vous préoccuper de la question de sa santé, la première question que vous devez lui poser, c'est quelle est la personne dans laquelle tu as le plus confiance pour gérer ton état. Et parfois, c'est pas la famille, mais c'est pas grave. Moi, j'aurais jamais eu confiance en mes parents pour aller parler de mes problèmes de ma vie. Ça veut pas dire que je les aime pas, vous comprenez ce que je veux dire. Mais ça veut dire que j'ai le droit. Et des fois, la souffrance psychique, c'est un truc tellement intime qu'on n'a pas forcément... Ça n'empêche pas qu'il faut aussi aider la famille à gérer les choses, d'accord ? Donc c'est très très important cette question. Deuxième élément très important, ben, y a plein de gens qui n'ont pas de famille. Et effectivement, ceux-là, ils sont encore plus. Vous imaginez, vous vous râlez parce qu'on ne vous a pas informé, mais ceux qui n'ont pas de famille, ils sont où ? En prison ou dans la rue ? Et en général, un coup l'un, un coup l'autre. Et puis l'hôpital psychiatrique au milieu. Donc c'est une perte de chance et c'est très clair que, eh ben, effectivement, il y a des associations, il y a les pères aidants, ils sont là. Il faut absolument trouver des moyens pour aider, mais ce n'est pas propre à la psychiatrie, c'est propre à tous les gens qui se trouvent face à des maladies. J'ai à peu près répondu à votre question. Et les GEM, oui, il y a plein, on monte pas de choses, mais elles ne sont pas visibles, mais pas accessibles, mais pas connues. Je termine, comme ça on termine la soirée sur l'histoire de la rémission. Est-ce que les maladies psychiatriques guérissent ? C'est ça la vraie question. Eh ben oui. Comme toute maladie, puisque c'est une maladie, il n'y a aucune maladie qui ne guérit pas. Ça ne veut pas dire qu'elles guérissent toutes. Vous comprenez ce que je veux dire ? Quand vous êtes malade, vous pouvez toujours guérir. Non, mais c'est vachement important, ça. Parce que en psychiatrie, et par exemple dans la schizophrénie, c'était comme ça, mon patron, il disait, schizophrène un jour, schizophrène toujours. Mais comment vous voulez travailler avec ce truc-là ? Une fois que vous avez posé le diagnostic, c'est bon, il n'y a plus rien à faire. On attend que ça passe. Alors qu'on sait que les troubles psy, quels qu'ils soient, schizophrénie, tout ça, un certain nombre d'entre eux, la proportion, elle est très variable, mais elle est plus de 20 à 30%, naturellement, tout seul, ils peuvent s'améliorer. La question, c'est qu'on ne sait pas prédire quels sont ces 20 ou 30% des gens. Mais ça veut dire que c'est possible. Alors, et c'est là où la psychiatrie s'est fourvoyée, en partie, comme une grande partie de la médecine, plutôt que d'étudier comment les gens y font quand ils sont mal, ça s'appelle la psychopathologie, hein, chercher les raisons qui font le mal, il me semble préférable de développer des recherches, des idées sur comment ils font ceux qui sortent de là. Faisons des modèles pour essayer de comprendre comment on fait pour sortir du fait d'être mal. Ce qui n'est pas du tout la même façon que de penser... Pourquoi tu es malade et comment ? Non, c'est je vais étudier les gens qui s'en sortent et je vais leur demander comment ils ont fait parce qu'eux, ils ont de l'expérience. Ça, c'est par exemple ce qui s'appelle le rétablissement. Alors, tout ça, ce n'est pas une nouveauté. Je vais terminer là-dessus. Hippocrate, qui est l'inventeur de la médecine occidentale, il disait la chose suivante, il en disait un certain nombre, mais il disait que les médecins, la seule chose qui devait les intéresser, c'était les cas dans lesquels les gens guérissaient. Qu'il devait absolument écrire que les cas dans lesquels les patients guérissaient, ceux dans lesquels ils ne guérissaient pas, ce n'était pas la peine parce qu'ils étaient nuls, parce qu'il n'y avait rien qui se passait, ce n'était pas la peine d'en discuter, et qu'il devait retenir et enseigner aux autres que le moyen de guérir les gens. Quand vous prenez tout ce qui est raconté sur la psy, mais c'est que une histoire de malheur. C'est... l'inceste, le truc, le machin, il n'y a jamais moi, X ou Y, j'ai traversé ça et finalement on peut aussi trouver des moyens de s'en sortir. Jamais on entend ça. C'est la culture du malheur, la culture de la faute, la culture du truc. Je le répète, Hippocrate, il dit, alors ça c'est le problème de la culture, mais pour les médecins, ce qui compte pour les médecins, c'est de s'appuyer uniquement sur les cas qui guérissent. Quand vous êtes dans un endroit dans lequel vous pensez que c'est peu pas possible que ça guérisse, eh ben vous voyez que des gens qui guérissent pas et donc vous pouvez pas aider les gens à guérir. Parce que ceux qui guérissent, ils ne viennent plus vous voir. Et ils ont bien raison. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc là aussi, c'est très très important. Alors ça ne veut pas dire que tout le monde va guérir, entendons-nous. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on est magicien, qu'on va sauver le monde. Mais penser a priori que les gens vont être malades toute leur vie, ce qui n'est pas la même chose que prendre un traitement, hein. Après on n'est pas là pour en discuter, mais en tout cas vont aller mal toute leur vie, mais ce n'est pas possible ça. Il y a quand même très peu de publications à ce sujet. Ah bon ? Il y a énormément de publications qui montrent, et on le sait depuis les nuits des temps de la psychiatrie,
depuis le début de la psychiatrie, on a écrit la chose suivante. En 1790, vous savez, avant, en psychiatrie, on avait des registres des hôpitaux. Ce n'était pas les malentendants, on envoyait tout le monde comme ça, on les embastillait. Mais les mecs, c'était vraiment militaire. Donc, entre 1795 et 1810, on a plein de registres. Qu'est-ce qu'on voit ? C'est qu'un tiers des gens qui rentrent à l'hôpital psychiatrique en mouraient. Donc, il y a quand même quelque chose qui est lié avec la maladie mentale et la surmortalité. Un tiers y restait plus d'un an, et un tiers en sortait, et on n'entendait plus jamais parler. Il n'y avait absolument aucun traitement à l'époque. On peut dire qu'ils n'étaient pas malades. Qu'est-ce qu'on en sait ? Donc déjà, dès le début, on ne pouvait pas... Et alors qu'on a construit, si vous voulez, les modèles de la clinique psychiatrique, tout ça, sur ceux qui étaient là, qui restaient là depuis des années, et jamais on s'est préoccupé de ceux... Parce que, voilà, pourquoi les autres ils sont sortis ? Jamais. Bon, ça c'est la première question. Ensuite, après, la psychiatrie, elle ne parle pas de rien. La psychiatrie, pendant... Allez, jusqu'en 1960, elle avait zéro traitement. On peut dire du mal des médicaments, mais elle avait zéro traitement. Les psychiatres, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils regardaient les malades et ils attendaient. Quand ils les voyaient. Donc, ils avaient le temps d'écrire. Et ils écrivaient, parce que beaucoup de médecins des hôpitaux psychiatriques écrivaient très bien, et écrivaient très bien le suivi des malades, et ils écrivaient que ce que devenaient leurs malades. Eh bien, il était écrit dans les anciens traités que 30% des malades psychiatriques pouvaient guérir. Pourquoi on ne le lit pas ? Ça ne veut pas dire que, voilà, c'est pas une nouveauté. C'est juste, on redécouvre. On redécouvre. Le problème, c'est qu'on ne sait pas qui va guérir. On ne sait pas quels sont... Enfin, on a une idée quand même des facteurs qui font que les gens guérissent. Si vous occupez mieux de leur santé, si vous êtes dans un environnement plus propice, c'est sûr que... Après, si vous guérissez dans un environnement où c'est la guerre en permanence, c'est vraiment que vous avez de la chance. Donc on ne peut pas construire un système de soins sur la chance. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais les conditions... du rétablissement, elles sont connues, elles sont écrites depuis 20 ou 30 ans déjà. Et les questions de la guérison, elles sont connues. Pourquoi les gens ne lisent pas ? J'en sais rien. À Marseille, on a de la chance. On peut dire qu'à Marseille, on fait quelques petites choses. On fait quelques petites choses. Mais c'est tout à fait possible de penser que quelqu'un qui souffre d'un trouble psy ne va pas être malade psy toute sa vie. Et moi, en tout cas, je ne ferais pas ce métier si je n'arrivais pas à penser ça. Je pourrais voir quelqu'un en pensant qu'il va s'en sortir dans 10 ou 15 ans, par chance. Mais le matin, quand je me lève, je ne vais pas travailler. Le mec qui pense qu'il faut 15 ans pour que le type s'en sorte, mais vous croyez qu'il pense au type, vous ? Il pense aux courses qu'il va faire à 8 heures. C'est pas possible, sinon il se pend. Vous pouvez aller dans un endroit dans lequel vous pensez qu'il n'y a rien qui va bouger pendant 20 ans. Qu'est-ce que vous... Vous êtes super malheureux, vous allez super mal. Mais malheureusement, il y a trop peu de centres d'expertise comme le vôtre en France pour qu'on puisse tenir ce discours-là. Je le répète, tous les centres, en théorie, sont accessibles à tout le monde. À tout le monde. Si vous avez un cancer, vous iriez à l'autre bout de la France si vous ne trouvez pas la réponse pour voir quelqu'un. Le problème de la santé mentale, c'est qu'on a réduit les gens à dire « Mais non, tout est pareil partout, pourquoi vous iriez là-bas » Puis en plus, c'est de votre faute, c'est honteux ce que vous avez fait. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc globalement, si vous essayez un peu de ne pas être d'accord, soit vous êtes responsable de la maladie, soit vous êtes encore plus fou, soit vous êtes le truc. En médecine, si vous ne trouvez pas la réponse qui vous convient, c'est votre liberté d'aller demander un avis à quelqu'un. Et en général, quand vous vous faites opérer du dos, si la première personne que vous avez vue ne vous convient pas, vous ne vous faites pas jeter sur votre dos tout de suite, d'accord ? Si la deuxième que vous avez vue ne vous convient pas, vous demandez un troisième avis, puis ensuite vous réfléchissez, ok ? Bah, en psychiatrie, c'est pareil. C'est une discipline médicale. Le fait que ça ne soit pas une discipline médicale, pensée comme une discipline médicale, ça induit ces comportements-là. Vous comprenez ce que je veux dire ? Il y a des dispositifs qui existent. Il y a des endroits qui peuvent donner des conseils. Il y a des initiatives en psychiatrie. On ne peut pas dire que la psychiatrie ne fait rien. C'est pas vrai. Il y a plein de gens qui essayent de faire des trucs. C'est pas visible, c'est pas accessible parce qu'on réduit les gens à rester là, bougez pas et point à la ligne. J'ai pas dit qu'on allait guérir tout le monde, j'ai pas dit que ça marchait à tous les coups, c'est comme en médecine, il y a plein de fois où on n'y arrive pas. Mais il y a aussi des fois où on y arrive.